Le thème du message d'aujourd'hui, d'abord le thème de notre programme, est le comme suit, connaître et vivre les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Connaître et vivre les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Depuis hier, le Seigneur nous a édifié. Le Seigneur nous a enseigné les premiers éléments pour le décollage spirituel. Pour que nous puissions décoller spirituellement pour atteindre la statue parfaite. Hier, nous avons reçu les enseignements. Ils nous ont montré qu'il y a trois types d'hommes sur la terre. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Alléluia. Hier, nous avons compris que dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Les deux types de croyants. Les enfants en Christ. Les bébés spirituels. Et les fils. Qui sont encore appelés être des maîtres spirituels pour enseigner d'autres, pour communiquer à d'autres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons Dieu. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Dis à ton frère, notre Dieu est le Dieu des esprits et des prophètes. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu est le Dieu des esprits et des prophètes. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Il est compris. Que le Seigneur ne veut pas que vous soyez enfant. Certes, vous aviez été enfant. Et il a fait de vous des fils. Et puis, cette semaine, vous serez pleinement des fils. Et ceux qui étaient enfants, vous allez laisser ça. Et acquérir ce qui est pour les grands esprits. Et pour les grands esprits. L'apôtre disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai laissé en arrière ce qui est enfanté pour acquérir ce qui est grand. Bien aimé. Tu t'es dit hier, nous avions dit hier que pour grandir en spirituellement Jésus, il faut accepter perdre des choses pour gagner de nouvelles choses. Il faut accepter perdre des raisonnements, des connaissances pour acquérir des réalités spirituelles, des profondeurs, des hauteurs spirituelles. Nous avons dit, par l'humilité, nous perdons beaucoup de choses. Et par la sagesse, nous construisons notre vie en gagnant de la sagesse. Perdons beaucoup, mais pas l'humilité, pas l'amour de Christ qui nous donne la connaissance, nous gagnons davantage. Gloire à Jésus, que la gloire soit bien faite. Le sous-thème de ce jour est encore très pertinent. Soyez concentrés, parce que pendant que le message sera nous donné, et au même instant que la parole sort, l'esprit accomplira instantanément, automatiquement. Ce pourquoi la parole est prononcée. À chaque parole qui sort, disposez-vous pour que l'esprit commence à opérer pendant que vous recevez le message. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que vous recevez le message, l'esprit lui-même commencera à travailler en vous. Au même moment que tu reçois le message, au même moment, l'esprit te saisira. Libérez, vous allez dans le message, laissez voiler. Ce n'est pas un enseignement ce soir. Mais c'est un moment que l'esprit va vous communiquer un message. Vous recevez un message de la part de l'esprit. Et lorsque vous recevez le message, l'esprit commencera à travailler au même moment, instantanément, que
guérira. Bon, voilà nos autos. Instantanément. Soyez connectés. Soyez en esprit. Et le Seigneur fera des transitions. Dès ce soir, votre vie sera changée. Dès ce soir, vous ne verrez plus comme avant. Vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Amen. J'étais en prière avec le Seigneur. Et le Seigneur, je disais, comment ça va se manifester? Le Seigneur me dit que ce n'est pas maintenant que ce n'est pas maintenant que vos yeux seront ouverts. Ou bien plutôt, ce n'est pas maintenant que vous allez atteindre ces réalités spirituelles. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur va commencer par agir. C'est-à-dire, il a déjà disposé en vous sa présence. Vous avez déjà des yeux pour voir. Vous avez déjà des oreilles pour entendre. Il suffit de faire quoi? Ouvrir les yeux. Ce n'est pas que l'on va t'ouvrir en faisant comme ça. Non. Ce n'est pas maintenant que vos yeux s'ouvriront. Vos yeux étaient déjà ouverts. Mais vous allez fermer les yeux. Aujourd'hui, il suffit de voir. Il suffit de faire comme ça. De voir. D'entendre. Entendre. Il suffit d'entendre. De voir. Et ce que tu vois est la réalité spirituelle. Acclame Jésus. Tu as les yeux spirituels déjà. Où voulez-vous voir? Tu as déjà les oreilles spirituelles. Et quatre, les pointants. Le taux est la seule. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de surprise. Tout est déjà en vous. L'Écriture dit dans Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Il vous a tout donné pleinement. Lui qui est le chef de toute autorité et de toute dominance. Nous avons tout pleinement en lui. Déjà, tout est là. Il me dit de vous dire, ouvre tes yeux et tu verras. Ah, ouvre ton oreille, toi-même, parce que c'est déjà ouvert spirituellement. Mais tu l'as fermé. À cause de tes raisonnements, tu l'as fermé à cause de ton ignorance. Tu l'as fermé à cause de ta négligence. Ce soir, il te dit, je suis près de toi. Ouvre les yeux pour me voir. Entends et tu entendras. Acclame Jésus. Celui qui a de l'oreille entend. C'est pas maintenant tu auras d'oreilles spirituelles. C'est pas maintenant tu auras les yeux spirituels. Seigneur, donne-moi les yeux spirituels. Seigneur, donne-moi les oreilles spirituelles. Seigneur, donne-moi. Non. Nous n'avons pas fait cette prière. Vous avez déjà ça. Après que vous ferez. Seigneur, je veux voir. J'ouvre mes yeux pour voir, Seigneur. Ce que tu as déjà disposé à moi, il est temps que les yeux voient. La prière que tu feras là, c'est pas Seigneur, donne-moi les yeux spirituels. Ça, c'est une prière, tu es en retard. Tu as déjà ça. Maintenant, toi-même là, tu as accepté d'aimer ça. Tu as accepté de ne pas utiliser ça. Ce soir, ouvre les yeux. Ouvre ton oreille. Et tu verras sa gloire. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Donc le soutien de ce soir est. La dispensation prophétique de l'esprit. Pour des expériences glorieuses. La dispensation prophétique de l'esprit pour des expériences glorieuses en Jésus-Christ. La dispensation prophétique de l'esprit. Ou des expériences spirituelles ou des expériences glorieuses en Jésus-Christ. La dispensation prophétique de l'esprit. La dispensation, le partage
La distribution spirituelle de l'esprit prophétique pour des expériences spirituelles de l'Église. La dispensation prophétique de l'esprit pour des expériences glorieuses. Alléluia. Je dois vivre les expériences spirituelles. Je dois les vivre. Je dois vivre les expériences spirituelles glorieuses en Jésus. Ce n'est pas maintenant que c'est-à-dire je vais découvrir autre chose. Non, l'esprit prophétique est déjà sur la terre. Alléluia. Il faut maintenant que toi tu l'actives. L'esprit prophétique est déjà là sur terre. Ce n'est pas maintenant que l'esprit prophétique va descendre. L'esprit prophétique est déjà là. C'est à toi de l'activer. Par ta connaissance. Je vous ai dit que c'est la connaissance qui fait grandir l'homme spirituel. La sagesse le construit. La sagesse construit l'homme spirituel. Mais la connaissance l'évolue. Le fait découvrir les choses. Par ta connaissance, Jésus te donne le pouvoir. Jésus te donne la capacité ce soir d'activer le spirituel de ta vie. D'activer la dispensation de l'esprit de ta vie. Le Seigneur te donne cette capacité. Il te donne la clé pour ouvrir le portail spirituel. Pour que la présence glorieuse qui était là, mais que tu ignores, tu ignores les clés, tu ignores les manières de permettre qu'elle se manifeste. Ce soir, dans ta connaissance, tu ouvres le ciel sur toi. Le ciel est ouvert ce soir. Bien-aimé, le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Et je souhaite que vous soyez avec moi. Pour que le même esprit qui agit là puisse être une énergie qui active la présence glorieuse du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. La dispensation prophétique de l'esprit pour des expériences glorieuses en Jésus-Christ. Alléluia. Il est important de savoir que l'esprit a été répandu. L'esprit a été répandu pour une particulière. Je vous ai dit hier que nous sommes esprit. L'homme est esprit. Mais pourquoi beaucoup d'églises ne vivent pas cet esprit prophétique? Parce que plusieurs ne peuvent pas appliquer la loi du 9 et du 7. Qui ne comprend pas la loi du 9 et du 7? Qui a compris le 9 et le 7? Le 9 symbolise le fruit de l'esprit. Le 9, c'est le fruit de l'esprit. Le 7, le 9 qui est le fruit de l'esprit plus le 7 qui est les caractéristiques du Saint-Esprit, 16 ou bien le 6 plus le 1 ou le 1 plus le 6 c'est le 7, c'est la perfection de l'esprit. Plusieurs qui veulent voir Dieu n'ont pas appliqué cette loi. Bien aimé, plusieurs n'ont pas appliqué cette loi. Je vous assure, pour activer le spirituel, pour activer le spirituel, pour opérer
avec l'esprit de Dieu, avec dans les choses spirituelles, dans les réalités spirituelles, tu dois appliquer la loi du neuf et la loi du sept. Et ça fait la perfection. Toute église qui travaille au développement du fruit de l'esprit, la vie de chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, et qui a plus du fruit de l'esprit, travaille à la présence du Saint-Esprit et ses attributs, verra toujours s'accomplir toutes les promesses de Dieu, sera accompagné des esprits de Dieu et le Saint-Esprit agira dans la vie de chaque chrétien. Tous ceux qui sont membres de cette église vivront abondamment, abondamment des expériences spirituelles et glorieuses. L'esprit est là. L'esprit prophétique est là. Cet esprit est là. Cet esprit est là. Et opère. Mais tu n'as pas encore commencé par l'expérimenter. Tu ne l'expérimentes pas encore. Ce n'est pas parce que tu ne l'expérimentes pas que l'esprit n'a pas de puissance, que l'esprit n'existe pas, que l'esprit n'opère plus. Mais c'est parce que toi, tu l'as emprisonné. Hier, nous avons dit que les chrétiens, plusieurs croyants, hommes de Jésus, Saint-Esprit, reste là-bas. Jésus, reste là-bas. Nous avons notre propre zèle. Et nous allons marcher sur notre propre force, notre propre manière. Et la vie chrétienne devient une vie routinière, une vie fatigante, une vie monotone, une vie robotique, mécanique. Ce que les chrétiens, plusieurs croyants, ont fait pour empêcher la manifestation du Saint-Esprit, pour empêcher la manifestation des esprits glorieux, et le fait qu'ils ont attristé Dieu, ils ont attristé l'Esprit de Jésus. Je vous dis avec la vérité, l'Esprit de Jésus est attristé dans plusieurs églises. Je ne sais pas si l'Esprit de Jésus est attristé dans ta vie. Si tu ne manifestes pas le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Jésus n'est pas là. Il est attristé. C'est pourquoi je vous dis, manifestez le fruit de l'Esprit. Levez-vous, levez-vous. Faites-vous face, attrapez-vous. Embrassez-vous. Les hommes embrassent les hommes, les femmes embrassent les femmes. Et après les hommes saluent les hommes. Les hommes saluent les femmes. Les hommes saluent les hommes. Manifestez l'amour. Manifestez le fruit de l'Esprit. Manifestez le fruit de l'Esprit. Et nous allons continuer. Nous allons préparer le terrain pour les esprits spirituels. Manifestez le fruit de l'esprit d'amour. L'amour, c'est tout. Tout commence par l'amour. Tout la gloire est accomplie à nous ses parents. Tout la gloire est accomplie par nous ses parents. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, le vrai amour. Le vrai amour. Les expériences spirituelles. C'est par là que commencent les expériences spirituelles. C'est par ça que commencent les expériences spirituelles. L'amour, la joie, la paix. La joie, manifestez la joie.
Le Seigneur te prépare la terre. Le Seigneur te prépare la terre. Pendant que tu le manifestes, le Seigneur te prépare ta terre. Le Seigneur te les réalités spirituelles, les expériences spirituelles glorieuses. Je vais vous révéler ceci. Il y a des lumières que Dieu a envoyées dans l'église qui favorisent une atmosphère spirituelle. Dans Jacques, on dit que Dieu est le Dieu des lumières. Il est le Père des lumières. C'est quoi les lumières? Dans les réalités divines, la lumière sont les esprits. Et on les appelle les anges. Les caractères dont on parle, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la douceur, la bénignité, etc., la fidélité, etc. En réalité, c'est les traits de caractère que manifestent les anges de Dieu. D'abord, je vous ai dit hier que c'est Jésus. Tout ce fruit de l'esprit là, c'est l'œuvre de Jésus. C'est le caractère intérieur de Jésus. C'est la situation spirituelle du cœur de Dieu. Alors, Dieu a pris un corps, Jésus a, pour manifester tout ce fruit de l'esprit, afin que nous qui cherchons être l'image de Dieu, portions aussi ce fruit de l'esprit. Vous devez savoir que Jésus le fait, il détient tout, c'est-à-dire il est lui-même le fruit de l'esprit. Et les esprits de Dieu, que nous appelons les esprits, c'est-à-dire les lumières, les anges du ciel, qui sont les esprits de Dieu, ont aussi le fruit de l'esprit. Vous voulez travailler avec le Saint-Esprit, vous devez avoir le fruit de l'Esprit. Parce que les esprits de Dieu qui travaillent sous l'autorité, la conduite du Saint-Esprit au ciel sont à l'image du Saint-Esprit. Et ils ont le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la bénignité, la bonté, la tempérance, ainsi que la douceur, tout le fruit de l'esprit. Ils ont tout. Donc, vous devez, comme je l'ai dit hier, vous devez savoir que l'amour vous permet d'apprécier vos frères et sœurs dans le Seigneur, vos familles. L'amour active la réconciliation. L'amour permet de voir les autres comme soi. De voir la suite de Dieu dans la vie de l'autre. L'amour instaure Jésus dans la vie. Puisque Jésus est amour. L'esprit est amour. La joie permet à chaque créature de profiter de la création de vivre un bonheur, des délices de l'amour, et de vivre en Christ dans l'harmonie parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. La bonté est une intégrité, est une honnêteté, une compassion bienveillante envers les autres. C'est la gentillesse. La patience est une preuve de sa vie qui montre que nous attendons le temps de Dieu. Nous savons comment supporter les moments. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelles que soient les conditions, nous cherchons à marcher sur les moments et à atteindre le temps parfait de Dieu. La fidélité est le fruit qui préserve notre foi dans le Saint-Esprit, qui nous permet d'être attaché
aussi de l'esprit. Quel que soit le moment. C'est la fidélité. C'est dans la fidélité que nous manifestons notre confiance plus en Jésus-Christ. En ses promesses. La douceur est le personnage de Jésus. Jésus est doux. Il est aussi bienveillant, compatissant. Il est bon. Il est amour. Une personne douce est soumise au Saint-Esprit est utilisé par le Saint-Esprit d'œuvre plus grande. Nous avons la tempérance. La tempérance du Saint-Esprit, qui est la maîtrise de soi, qui est ce qui nous permet d'être sobre, de nous retenir dans la chasteté. Alléluia. Amen. Chaque fille de l'Esprit joue son rôle. Et c'est ça qui attire les sangs de Dieu. C'est ça qui attire les sangs de Dieu. C'est ça qui attire la présence du Saint-Esprit. C'est ça qui attire l'œuvre du Saint-Esprit. Si, même si nous avons une vie de prière, on prie. Si on prie, ce n'est même pas encore la vie de prière. Si on prie, on peut faire des heures. Mais si on n'a pas le fruit de l'esprit, nous ne sommes pas spirituels. Ce n'est pas le nombre de temps de prière qui fait d'un homme un homme spirituel. Mais son attitude à se modérer, à être discipliné à soi-même, à appliquer à lui le fruit de l'esprit, ajouter à la prière, lui permettra de contrôler ses émotions et de faire les désirs de la chair. C'est ça un homme spirituel. Tout commence par le fruit de l'esprit. Donc tout le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. L'esprit veut opérer avec vous. L'esprit veut opérer avec vous. Ce que le Seigneur va montrer est très grand. Mais voilà. Je ne sais pas si vous-même vous êtes prêt à le supporter. Est-ce que vous voulez supporter? Vous voulez supporter? Ce que vous avez fait maintenant, commencez à le cultiver. À le cultiver davantage. À le cultiver régulièrement. La dispensation prophétique de l'esprit pour des expériences glorieuses. Le Seigneur répand sur son peuple un esprit de gloire. Un esprit de gloire. Le Seigneur répand sur son église. Un esprit prophétique de gloire. C'est le Saint-Esprit prophétique qui révolutionnera, qui vous révolutionnera la vie de chacun. Qui révolutionnera votre vie. Tous ceux qui avaient l'onction prophétique dans l'Ancien Testament étaient ceux que Dieu utilisait à opérer, à faire des grandes choses. Et l'Esprit est descendu au jour de Pentecôte. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ça l'Esprit de la prophétie. Avant, tout le monde n'expérimentait pas des choses glorieuses. Avant de l'Ancien Testament, ce sont des personnes particulières que Dieu choisit. Dieu est-il injuste en choisissant quelques personnes dans le peuple pour faire vivre, mais pour les faire vivre des expériences spirituelles au-delà, parce que ces choses étaient l'ombre des temps à venir dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Eux sont le type de la vie que nous menons aujourd'hui. Ainsi, le Seigneur t'annonce aujourd'hui que la dispensation de l'Esprit va agir en toi. L'Esprit mouvera davantage si vous lui laissez la place. L'Esprit va mouver. L'Esprit mouvera en vous. Vous verrez l'Esprit vous accompagner. L'Esprit agit en vous. Parce que maintenant, vous avez son fruit. Il voit en toi son fruit. Dis à ton frère, dis à ta soeur, l'esprit voit maintenant en toi que tu as son fruit. Tu as son fruit. Maintenant que tu as son fruit, tu pourras agir par l'esprit, en esprit ou l'esprit. La volonté de Dieu est que nous puissions agir en toutes choses par l'esprit. Nous pouvons agir en toutes choses en esprit et pour l'esprit. Par l'esprit, en esprit et pour l'esprit. En esprit, par l'esprit et pour l'esprit.
La vie chrétienne là, c'est une vie de l'esprit. La vie chrétienne, une vie de l'esprit. Le culte est spirituel. Et c'est la vie, les expériences. La vie chrétienne est continuellement basée sur des expériences. Longtemps tu as suivi les témoignages des grands hommes de Dieu. Quand tu as suivi les témoignages des hommes de Dieu qui font des expériences spirituelles avec Jésus. Ou bien tu as donné le témoignage des soeurs sur YouTube. Ou là, ces questions sont faux. Je ne parle pas ici des faux. Tu as donné des témoignages qui l'ont touché. Et tu as dit, mais comment ces personnes vivent ces choses avec Jésus? Ou bien, Jésus est en train de préparer ton cœur à vivre ces choses. C'est pour qu'il réponde sur vous ce soir. L'esprit prophétique. Le Saint-Esprit répond sur vous ce soir. L'esprit prophétique. Saint-Esprit est en train d'agir. Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. C'est l'esprit prophétique. Saint-Esprit prophétique, c'est quel esprit? C'est l'esprit qui conduit l'homme à vivre des expériences spirituelles avec Dieu. Saint-Esprit est l'esprit qui apparaît à l'homme et qui fait révéler à l'homme les conduites à suivre. C'est cet esprit qui vient, que nous appelons le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui est la sagesse. C'est cet esprit qui est l'intelligence, qui est la connaissance. C'est cet esprit qui est le conseil. C'est cet esprit qui est la force. C'est cet esprit qui est la clé de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'esprit prophétique. L'esprit prophétique et les six autres esprits. Et ça fait sept esprits de Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a une question de sept esprits de Dieu. Bien-aimé, veux-tu travailler avec les sept esprits de Dieu? Mais sept, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur active en vous l'opération des sept esprits. Les sept esprits prophétiques de Dieu commencent à travailler en vous. Commencent à travailler maintenant. Amen. Travaille en vous maintenant. Amen. Travaille en vous maintenant. Amen. Travaille en vous maintenant. Amen. Le Seigneur dispense cet esprit dans cette église. Actuellement que je parle. Cet esprit a été répandu dans cette église. L'esprit est déjà sur terre. Mais vous n'avez pas encore expérimenté. Il le dispense ici. L'esprit est dispensé ici. L'esprit est descendu. L'esprit, le Seigneur le dispense ici. Le Seigneur le dispense. Le Seigneur dispense sur vous l'esprit. Le Seigneur dispense sur cela. Le Seigneur dispense l'esprit ici. Le Seigneur dispense cet esprit. Le Seigneur dispense cet esprit. C'est cet esprit qui nous fait voir des choses que l'œil n'a jamais vues. C'est cet esprit qui nous fait entendre des choses que l'œil n'a pas entendues. Je déclare aujourd'hui que la dispensation de l'esprit, tu commences à voir des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as jamais vues. Je déclare sur toi que cet esprit descend sur toi. Jamais vu. Il dispense cet esprit. Et tu les vois maintenant. Maintenant, même tu commences à les voir. Tu commences à les voir. Tu les vois maintenant. Tu entends dans ton esprit des choses que tu n'as jamais vues. Tu l'entends maintenant. C'est maintenant que tu l'entends. C'est maintenant que tu l'entends. C'est maintenant que tu l'entends. Le Seigneur dispense cet esprit. Le Seigneur dispense cet esprit. Il dispense cet esprit. Il dispense cet esprit. Il le dispense. 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 Il a dispensé.
Esprit de Saint-Denis fait travail. Il ouvre tes yeux maintenant. Il ouvre tes yeux. Pour les sens spirituels. Pour expérimenter les sens spirituels. Il ouvre tes yeux.
mais au fond du cœur, les ténèbres. Est-ce comme ça est votre père? Est-ce à cela que je vous ai appelé? Je vous ai appelé à manifester mon amour, à vivre dans mon amour. Qu'est-ce que vous montrez au monde quand vous sortez de ma maison? Quelle différence y a-t-il entre vous et le monde si les ténèbres se trouvent dans vos cœurs? Vos cœurs sont remplis de ténèbres, de rancune, de persécution. Repentance, 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 repentance. Car je n'agis pas dans les ténèbres. Je suis venu parce que vous avez dit la vérité. Ma vérité, c'est ma parole. Et je suis ma parole. C'est pour cela que j'ai agi. Mais au fond de vos cœurs, vous ne vous aimez pas. Si tu n'aimes pas ton frère, mais tu dis tu aimes ton Seigneur, tu es menteur. Tu es menteur. La réconciliation, l'amour, l'union avant tout. La réconciliation, l'amour, l'union avant tout. J'ai dit, si tu veux offrir quelque chose sur mon autel et que tu as problème avec ton frère, dépose ton offrande, va te réconcilier avant de revenir. Pourquoi? Ah, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Répandez-vous, répandez-vous. Je vous appelle à l'amour, à la réconciliation, à l'union. Mon église vit dans la persécution. Mon église vit dans la persécution. Montrez l'amour à ceux qui ne vous aiment pas. Aidez-nous à comprendre ce que c'est que l'amour. Je suis le Dieu des esprits des prophètes. Je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. S'il y a la rancune, la persécution, et vous demandez les dons spirituels, j'imagine si je vous les donne, vous allez l'utiliser pour vous faire du mal. Répandez-vous, 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 et tout ce que vous voulez vous sera donné. Ma parole, ma parole, ma parole agit toujours. Ma parole agit toujours. Mon message pour vous, mes enfants, car je suis au milieu de vous. Gloire à Jésus. Amen. L'esprit de prophétie est là, comme je l'ai dit au début. L'esprit de prophétie, c'est lui qui agit ce soir. Parce que nous devons vivre les expériences spirituelles glorieuses en Jésus. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec vous. Et je vous ai dit hier par l'esprit que l'amour est l'avion qui vous fait décoller spirituellement en Jésus. La sagesse est le carburant de cet avion. L'humilité, si l'amour est la sagesse, ou mais si l'amour est l'avion, et la sagesse est le carburant de Jésus est le pilote. La piste de décollage, c'est l'humilité. Alors mettez-vous, demandez au Seigneur de vous briser de cette reine, de cette jalousie, de cette dispute, de tout ce qui agit en vous, qui empêche au fruit de l'esprit. Sans le fruit de l'esprit, là, vous ne pourrez jamais vivre des choses spirituelles. Hier, nous avons dit que les dons de l'esprit, les dons de l'esprit n'est pas l'essence, ce qu'on demande premièrement à Jésus. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas les dons spirituels. Si tu n'as pas l'amour, tes dons seront comme du de l'orgueil. Alors, passe un moment et demande au Seigneur pardon. Réponds-toi au Seigneur. Hier, nous avions fait cela. Ce matin, et aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez le faire. Pour nettoyer vos esprits, pour que le fruit de l'esprit arrive. C'est dans l'humilité, je vous ai dit que l'humilité est la piste de décollage de l'avion. L'humilité. L'humilité, c'est aussi la repentance. C'est aussi le fait de se livrer. Jésus, je ne connais rien. Jésus, je ne suis rien. Jésus, je ne peux rien. C'est toi qui es ma force. Alors va à sa présence et demande au Seigneur, par humilité, d'enlever l'orgueil de toi, d'enlever l'enrichissement de toi, d'enlever l'orgueil de toi, d'enlever ce qui n'est pas le fruit de l'esprit en toi, de l'enlever. Prie au nom de Jésus.
Le fruit de l'esprit est le point de départ de la spiritualité en Jésus. C'est le point de départ, le fruit de l'esprit est le point de départ de toute spiritualité. Le réveil n'est pas d'abord un don spirituel. Beaucoup se sont attardés à la recherche des dons spirituels et ont oublié le réveil. Qui dans l'éveil, c'est le fruit de l'esprit. Moi aussi, je ne comprenais pas cela. Et il y a un moment, je pensais que c'était les dons spirituels. Non, c'est d'abord le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui te donne la vie de Jésus. C'est le fruit de l'esprit qui te donne le témoignage de Jésus. C'est le fruit de l'esprit qui te donne parmi le monde le témoignage de Jésus. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Si tu as le fruit de l'esprit, tu as Jésus. Si tu as le fruit de l'esprit, le Seigneur verra vers toi des anges, des millions d'anges qui sont pour toi, des esprits des justes, des anges qui vont t'entourer, C'est le fruit de l'esprit qui témoigne que tu es la crise de Dieu. C'est le fruit de l'esprit qui témoigne que tu es la sagesse, que tu es la connaissance, que tu es l'intelligence, que tu es le conseil, que tu es le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève-toi et acclame Jésus. Acclame le Dieu des esprits des prophètes. Le Seigneur vous aime vraiment. Ou bien, le peuple de Lomé, le Seigneur vous aime. Dieu vous aime beaucoup. Il vous aime énormément. Je vous ai dit que le gros, c'est-à-dire la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Ce qui veut se passer est encore plus fort que ce qui s'était passé. Acclame Jésus. Prenons Jésus. Donc je vais, comme je l'ai dit aujourd'hui, je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est un message du Saint-Esprit. C'est une soirée prophétique ce soir. C'est l'esprit de prophétie qui parle, qui agit ce soir. Alléluia. Donc je vais vous narrer un peu, je vais vous parler un peu de quelques choses, certaines choses que le Seigneur m'a montrées sur la vie de ses enfants, sur même le programme. Donc j'avais même publié ça sur les réseaux sociaux. C'était quel samedi? Le samedi où on a fait le culte d'adoration là. C'était quelle date? C'était après le séminaire des 7 jours. Le dimanche. C'est quelle date? Pardon? 11, c'est ça? En tout cas. Le jour où il y avait fusion. Pardon? Le 18. Dimanche, 18 juin. Ok. C'était vers 3h, j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier. Et en même temps, j'ai eu une vision. Et dans la vision, ce que j'ai d'abord entendu dans mon esprit. Et le Seigneur était en train de donner une parole en disant, le Seigneur disait, j'élève un peuple prophétique en cette génération, un peuple très désireux
Je crois qu'elle me dit de la glorieuse présence du Saint-Esprit. Un peuple acquis au genou. Quand on dit au genou, c'est humilité. Je crois qu'elle me dit. Un peuple, il le sait, dit je lève un peuple prophétique en cette génération. Le Saint dit un peuple très désireux de la glorieuse présence du Saint-Esprit. Un peuple acquis au genou, c'est-à-dire un peuple humble, un peuple affamé du pain spirituel. Et dans la prière, j'entends les paroles profondes que ce peuple déclarait avec soupir. Dans mon esprit, je ressens, j'entendais, Seigneur Jésus, Jésus, nous sommes fatigués de mener une vie. Nous sommes fatigués de mener une vie charnelle. Nous sommes fatigués de mener une vie monotone. Saint-Esprit, nous désirons intensément recevoir ta glorieuse présence afin de nous conduire à expérimenter les choses spirituelles et glorieuses. Alléluia. Dans la vision, je voyais un homme. Et mon esprit me dit, c'est Jésus-Christ. Et je voyais un cercle. Et je voyais l'homme Jésus en train de parcourir cette catégorie. Elle dit qu'il c'est pas tout le peuple qui faisait la prière. C'est une partie du peuple qui appelait un peuple prophétique. Un peuple prophétique, un peuple acquis au genou. Et ce peuple a formé un cercle. Et dans le cercle, je voyais l'homme, Jésus, parcourir cette catégorie de personnes. Et ils étaient affamés. Vous quand on a fait, on vous savez comment ça se manifeste. Ils étaient affamés en réalité du fruit de l'esprit ou de la nourriture spirituelle. Et ce peuple était affamé. Et l'homme Jésus leur remet une nourriture spirituelle. Et cette nourriture, c'est-à-dire, je vois comme du chrysolite, comme c'est pas. Vous voyez comment décrit ça. C'était un objet précieux, une pierre précieuse, comme du chrysolite. Il y a plusieurs pierres précieuses, mais c'était pas une pierre comme on voit des briques, tout ça. C'était une pierre précieuse, comme un chrysolite. Alléluia. Et l'Esprit Jésus en met en train de les donner un à un. Il est en train de donner ça dans leur bouche. Arrêtez là, on est en train de dire quoi? Jésus est en train de leur donner du fruit de l'esprit et aussi de la nourriture solide. Alléluia. Donc, il est en train de parcourir cette erreur du peuple et met cette nourriture qui est semblable aux chrysolites dans leur bouche. Maintenant, quand je sers de parler, l'esprit m'explique encore mieux pourquoi le chrysolite. L'esprit, ça dit le chrysolite là, c'est vert. C'est une couleur verte. Et le vert est le symbole de la végétation. Donc ça montre que en réalité c'est l'image du fruit qui est ce chrysolite qu'on peut manger. Seulement que ce fruit là qui est ce chrysolite est dur, comment c'est pas le fruit ordinaire. C'est ça la nourriture solide. C'est ça le fruit de l'esprit. Alléluia. Et on met ça dans leur bouche spirituelle. Je vous ai dit ici que la bouche spirituelle, c'est pas ça. C'est dans l'esprit. C'est dans notre esprit, notre bouche spirituelle. Et on met cette nourriture, ce fruit. L'homme parcourt un à un. Et l'homme les donne ça un à un. Et chacun prend et mange. Alléluia. Amen. Aussitôt ils mangeaient cette nourriture et automatiquement leur vie spirituelle fut renouvelée par le Saint-Esprit au travers de cette nourriture solide. Donc voici ce que j'avais vu. Et ça, le Seigneur m'a montré ça pour me confirmer le thème qu'on a annoncé sur connaître et vivre.
Le peuple, comme le message, le Seigneur, le message du Seigneur que je viens de lire. Le peuple que le Seigneur dit dans ce message, qui élèvera d'avoir un peuple prophétique. C'est pourquoi je vous ai parlé ce soir. L'Esprit veut vous amener à cette dimension prophétique. L'Esprit veut amener en vous, c'est-à-dire l'esprit de prophétie. En disant qu'il est l'esprit de prophétie, c'est pas d'abord que l'autre prophétise, ou bien c'est pas un esprit d'abord qui te permet de prophétiser pour l'autre. D'abord, vous comprenez? L'esprit de prophétie, c'est un esprit qui te donne d'abord, qui commence à travailler en toi. Beaucoup prophétisent, mais pas l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi on appelle ça de prophétie? Parce que son but, c'est de témoigner de Jésus. En réalité, si ta vie chrétienne a un bon témoignage, et dans ton aspect, ton assemblée, ton quartier, c'est un bon témoignage. Les gens voient en toi un bon témoignage. En réalité, celui-là, c'est un enfant de Jésus. C'est un enfant de Jésus. Ça montre que tu as en toi l'esprit de prophétie. Cet esprit de prophétie, fais d'abord en nous. Mets en nous d'abord le fruit de l'esprit. Il met en nous le fruit de l'esprit. Et quand il met en nous le fruit de l'esprit, il nous donne les sept caractères ou caractéristiques du Saint. Qui sont les sept esprits de Dieu. L'esprit de prophétie, là, c'est la sagesse. L'esprit de prophétie, c'est l'intelligence. L'esprit de prophétie, c'est la connaissance. L'esprit de prophétie, c'est le conseil. L'esprit de prophétie, c'est la force. L'esprit de prophétie, c'est la crainte de Dieu. Donc, quand on dit les sept esprits, là, le premier esprit, c'est l'esprit de prophétie. Les six autres accompagnent les soumises. Et tout commence par la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Hein? As-tu faim? Oui. As-tu faim? Oui. Tu veux manger le fruit? Oui. Jésus te donne ce fruit. Amen. Si tu te répands sincèrement, il met en toi ce fruit. C'est le fruit de repentance. Et ce fruit montre que tu es vraiment un fils de Jésus. Et le mot verra en toi l'esprit de prophétie. C'est maintenant que tout ce que tu diras sera accompli. C'est maintenant que tu ressens ce fruit de l'esprit, que tu parleras au nom de l'Éternel. Que tu diras ainsi dit l'Éternel. Ainsi déclare l'Éternel. Jésus a fait des lettres à l'église. L'église. Dans son église. Il met à chacun de vous l'esprit de prophétie. Et cet esprit témoignera du monde. Témoignera plutôt de Jésus au monde. Vous êtes un témoin de Jésus. Que vous êtes enfant de Jésus. Que vous êtes fils du royaume. Que vous êtes enfant du Seigneur. Cet esprit de prophétie mettra à votre bouche. Après vous avoir transformé, il met en vous. Il met en vous la parole de Jésus. Vous parlerez de Jésus. Vous prophétiserez. Je vous annoncerai de bonnes nouvelles. Jésus se glorifiera. Le Seigneur fait de l'église une église glorieuse. Après notre passage, c'est-à-dire toute votre vie avec les hommes de Dieu sera mieux que des expériences spirituelles. Des expériences spirituelles. Des expériences spirituelles. Si tu n'as plus l'esprit spirituel, sache que ton fruit de l'esprit, tu n'as pas pris du fruit de l'esprit. Sache que tu n'as plus de fruit de l'esprit. Arrêtez ce que le fruit de l'esprit fait dans ta vie. Si tu n'as pas d'expérience spirituelle avec Jésus, ça montre que Jésus ne te connaît pas. Il dira, vous dites, Seigneur, 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 éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, parce que vous n'avez pas le fruit de l'esprit. Le Seigneur nous donne tous le fruit de l'esprit. Et dispense à ce lieu l'esprit de prophétie. Alléluia. Après cette vision, après cette vision, nous étions à la maison. Et
je m'étais endormi. J'ai eu un songe. Et je vois que je suis envoyé dans un pays étranger que le Togo, que le Bénin aussi. Et je viens de servir Jésus là-bas. Et j'ai vu en même temps une petite assemblée. Vous m'écoutez? C'est bon, balancez les mains. Dis gloire à Jésus. J'ai vu une petite assemblée. Je vois que c'est un pays autre crise qu'ici. Je ne comprends pas. J'ai vu des personnes âgées. Mais pas moi, des adultes. À moitié dans une salle. Le Asara. Dans la salle. Le Asara. Et tous m'attendaient pour venir prêcher. Tous m'attendaient pour venir enseigner. Tout le monde était prêt pour que je vienne enseigner. Ce qui m'a paru bizarre dans le songe, j'ai vu qu'il y a un petit enfant. Vous voyez la petite fille? Vous voyez sa taille? Elle est partie. Là, un petit enfant comme ça. On peut même dire un bébé. Petite fille comme ça. Non, bizarre. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que les autres, les adultes, les grandes personnes sont là à m'attendre pour que je vienne enseigner la parole. Mais la petite fille a quitté du milieu d'eux et m'a paru dehors. Et a commencé par me poser des questions mystérieuses sur les mystères de la parole, sur les mystères du Seigneur. Et en même temps qu'elle pose des questions sur les mystères, en même temps, elle m'explique des connaissances. Elle me défie, elle me donne des révélations par possible. Elle est une âme de Dieu. Et j'étais étonné, même dans mon esprit, je ne comprenais pas ce que ça signifie. Mon esprit, quand mon esprit vivait la situation, je ne comprenais pas. Et quand je me suis réveillé, je ne comprenais pas. Parce que pendant ce temps, les adultes m'attendaient. Que je pour enseigner. Je ne comprenais pas ce que ça signifie. Et j'ai demandé au serviteur Jacques, est-ce que lui a compris ce que veut dire ces petits enfants? C'est là, il me dit, en ce jour-là, il a découvert aussi une fille qui chantait, qui disait, je ne sais pas si vous avez vu ça. Et elle chantait ceci. Seigneur, je te dis merci. C'est une petite fille camerounaise. Tu es venu, non? Oh, dis. Seigneur Jésus. Oui, oui, non. Dis-tu les statues, qui a vu ça? Voilà. Donc, l'homme de Dieu, frère Jacques, lui a dit, ou bien c'est. Lui, il a dit aussi qu'aujourd'hui, il a vu une petite fille comme ça. Mais moi, je ne savais pas. Et il a aussi dit, on va prier. J'ai dit que je sais que le Seigneur va m'expliquer. Dans la même semaine, tôt ou tard, le Seigneur va m'expliquer ça. Par l'expérience. Et c'est là que nous étions en train de prier. Pendant un midi comme ça. Nous étions en train de prier. Prier. On était en train de prier fortement. Et pendant qu'on est en train de prier, on est en train d'adorer Jésus. On est en train d'adorer Jésus. Et c'est là, en même temps, j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, avec l'homme de Dieu, frère Jacques, en même temps, j'ai eu une autre vision encore. Ça, ce n'est pas un songe. C'est maintenant une vision. Et ce que je vois une échelle dressée de la terre vers le ciel. Il est dit. C'est-à-dire, vous voyez, cette échelle n'est pas une échelle. Vous voyez, c'est pas une échelle droite comme ça. Mais la tropie est droite. C'est penché. C'est comme l'escalier. C'est une échelle, mais c'est escalier. Et je vois, doucement. Je vois à l'origine de. Je vois à l'origine de l'escalier ou de l'échelle une foule de petits enfants. Des petits enfants. Sont nombreux en bas. On se voit même donc
on priait là, je me demande c'est quoi je vois. C'est ce qui m'a étonné. Après, j'ai commencé à voir ces petits enfants. Vous voyez l'échelle, non? Donc j'ai parlé. Ils ne pouvaient pas monter comme ça. Monter sur l'échelle. Monter sur l'échelle. Monter sur l'échelle. Jusqu'à atteindre le sommet de l'échelle. Lorsqu'ils étaient arrivés au sommet de l'échelle, j'ai vu des aigles. Qui connaît l'aigle ici? L'aigle, c'est un oiseau qui vit dans les airs. Elle descend parfois pour prendre sa nourriture en bas et remonter. Vous connaissez l'aigle, non? Et le Seigneur dit, celui qui se confie au Seigneur, comme de l'aigle. Donc ces petits enfants ne pouvaient pas monter. Lorsqu'ils étaient arrivés au sommet, il y a des aigles qui les ont pris sur leur aile. Et ils étaient transfigurés. Ils étaient glorifiés dans les hauteurs. Parce que les aigles étaient au sommet. Ces aigles étaient dans les hauteurs. Les petits enfants étaient transformés par ces aigles. Et après, j'ai vu que. Donc tous ces petits enfants ont été transfigurés par les aigles. Les aigles les ont déposés sur l'échelle. Et ils ont commencé à descendre. Ils descendaient comme des petits. Ils descendaient de l'échelle comme des petits. Mais quand ils veulent mettre leurs pieds sur le sol, pendant qu'ils mettent leurs pieds sur le sol, ils deviennent des adultes. Et ils étaient glorifiés comme des adultes. Et j'ai narré ça aussi aux autres serviteurs. L'apôtre Joseph et le frère Jean. Alléluia. Et c'est là maintenant le Seigneur me dit que c'est l'explication de l'autre songe que j'avais eu que je ne comprenais pas. Quelle est cette explication? Les petits enfants là sont. C'est-à-dire, ces petits enfants sont le signe de l'humilité. Ils sont le signe de l'humilité. Le Seigneur dit quelque part dans les évangiles, le livre des évangiles, que ne faites pas mal aux petits enfants parce que leurs anges prient pour eux continuellement devant la face de Dieu. Et le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Quand on dit que le roi de Dieu est semblable aux petits enfants, le roi de Dieu est pour les petits enfants, on parle d'abord des gens qui d'abord sont petits pauvres en esprit. C'est-à-dire, c'est pas pauvre financièrement. C'est pas pauvre, c'est-à-dire spirituellement. C'est-à-dire, ils sont pauvres en esprit. Là, tu vas dire quoi? Ils sont enfants. Quoi qu'ils soient, quelque chose, ils sont à l'état bon. C'est-à-dire, ils s'humilient. Ils sont humbles. Alléluia. Amen. Ils sont humbles. Et le Seigneur, c'est avec ceux-là que le Seigneur fait les grandes choses. Donc, ces enfants qui étaient en train de monter sont en train, c'est-à-dire les grands ne peuvent pas monter. Ceux qui se disent être grands, ils ne pourront pas monter. C'est ceux qui se rabaissent, qui deviennent des enfants, qui peuvent monter. Ceux qui deviennent des bébés, des enfants, qui peuvent monter. Et lorsqu'ils étaient montés dans la vision, ils ont été glorifiés. En réalité, l'aigle, c'est quoi? L'aigle, c'est le signe de la transformation que le Saint-Esprit fait pour notre esprit dans le ciel. Le Saint-Esprit dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le ciel de la spiritualité où Jésus règne. Et les aigles se situent dans le hauteur. Quand on parle du royaume des cieux, on parle en réalité du royaume spirituel. Il se situe dans le hauteur. Donc l'aigle symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Ceux qui se confient à Dieu renouvellent leurs forces comme de l'aigle. Ils font leurs forces comme de l'aigle. C'est pourquoi ces petits enfants, quand ils sont humbles, Dieu les a élevés et ils ont reçu la force des aigles. Or, l'aigle, c'est l'esprit de Dieu dans les hauteurs. Et lorsqu'il veut descendre, ils sont descendus comme adultes. Nous ne sommes pas là. Tous ces petits enfants sont aussi comme des enfants en Christ.
qui n'ont pas encore reçu la présence ou bien la glorieuse expérience spirituelle de Jésus. Et quand ils ont commencé par monter, ils se sont confiés à Jésus. Lorsqu'ils sont allés dans les hauteurs, ils ont été transformés, renouvelés. Et lorsqu'ils descendent, ils deviennent des adultes spirituellement. Tu es ce petit enfant et qui, par ton humilité, Jésus te donne la capacité de monter, de monter, de monter, de monter. Lorsque tu montes, tu montes, tu montes. Plus tu t'humilies, tu montes avec Jésus. Plus tu t'humilies, Jésus te fait monter. Plus tu t'humilieras, Jésus te fera monter. Et lorsque tu seras au sommet, le Saint-Esprit va te donner la force, va te renouveler, va changer ton image. Lorsque tu descendras, tu seras un adulte. Un homme fait, un homme spirituel. Acclame Jésus-Christ. La petite fille que je vois, c'est l'église. L'église qui doit s'humilier. Pourquoi c'est une fille? Pourquoi quand je vois les autres monter sur l'escalier, dans la vision, je vois des petits enfants? Ah, c'est des enfants, c'est des petits garçons. Oh là-bas, dans le songe, une fille. Pourquoi? La fille est le type représente l'église. Qui doit être petite. L'église qui doit être humble. Et c'est peut-être l'église qui s'est humiliée, qui devient petite. Que Dieu vous a à confondre les sages. Dans le songe, les grandes personnes sont là. Ils sont là à attendre qu'on vienne. Ils sont là à attendre. Mais la petite fille a dit non. Je ne l'attendais pas. Je viendrai. J'irai m'humilier pour recevoir. Eux sont là pour qu'on vienne vers eux. Celui qui est humble là n'attend pas qu'on vienne vers eux. Il court pour chercher la connaissance. Il court pour grandir. Mais quand tu seras là, la présence viendra. Elle ne viendra jamais. C'est l'humilité qui va venir. Lorsque l'humilité viendra, l'humilité te poussera vers la connaissance. L'humilité te tirera de l'orgueil, de la défaite, et t'amènera à la perfection. Et la petite fille, c'est l'église. Qui, par son humilité, elle a connu la science de Dieu. Elle a découvert Jésus. Elle a aidé l'homme. Moi qui étais dans le sang, ce n'était pas moi-même. Mais j'ai compris finalement que c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi-même, mais c'est Jésus-Christ. Et la petite fille, c'est l'église. Alléluia. Et dans l'échelle. Alléluia. Mais sur l'échelle, moi c'est des garçons, des enfants. C'est quoi? C'est les fils. Quand on dit fils là, d'abord, ce n'est pas fille. Quand on dit fils, ça prend en compte tous ceux qui sont les membres de l'église. Donc quand on dit fils là, les filles aussi sont fils. Les hommes aussi sont fils. Donc on montre que on doit être enfant. Devenir fils. Mais c'est les fils qui sont l'assemblée de l'église qui devant Jésus est une petite fille qui sera élevée glorifiée. Jésus veut vous faire traverser ces choses. Jésus veut vous amener à cette dimension de vivre des expériences spirituelles. Plus tu seras humble, plus tu seras élevé. Plus le monde verra un bon témoignage en toi. Jésus te lèvera de la tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas entendre ces choses que tu n'as jamais entendues. C'est ça les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus-Christ. Acclame Jésus. Lisons Jean 1, le verset 51. Nous sommes à la dernière phase de notre message. De notre message prophétique du jour. Jean 1, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Jésus prophétise, vous
vous verrez désormais le ciel ouvert. Yeah. Le ciel est ouvert sur ta vie. Je déclare qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert sur ta vie. 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 Le ciel est ouvert sur l'église. Le ciel est ouvert sur l'église. Tout ce que vous ferez, vous sera. Vous donnera du succès. Vous aurez une exaucement. Vous aurez une réponse valide. Lorsque deux ou trois se mettront ensemble et prieront en esprit avec un cœur uni par le fruit, Jésus fera des choses glorieuses. Jésus fera des glorieuses choses. Vous verrez des choses s'accomplir. Parce que désormais, par l'esprit prophétique, que le Saint-Esprit, Jésus a répondu ici. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Au lieu de verser, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, la parole de Dieu qui le dit. Dans Jean 1, 51. Ceux qui ont le fruit de l'esprit travailleront seront accompagnés des anges de Dieu. Je vous dis que les anges de Dieu, c'est des esprits de Dieu qui sont similaires, qui travaillent avec le Saint-Esprit. Si tu as le fruit de l'esprit, Dieu va commencer par opérer avec toi par son esprit. Lorsque le Saint-Esprit va être activé dans ta vie, les esprits de Dieu, comme on appelle les anges, vont commencer par tourner autour de toi. C'est ça la crainte de Dieu. L'ange de Dieu, quand on tourne, le Seigneur, le Seigneur va envoyer ses anges et ils viendront vers toi pour des expériences spirituelles. Ils viendront te donner des messages. Je vous ai dit ici que c'est les anges qui ont donné la loi. Dieu a envoyé la loi sur la terre. Mais ce n'est pas les anges que Dieu a promulgué la loi. Oui. C'est les anges qui ont apporté, qui apportent les révélations, les visions, les expériences spirituelles. À Daniel, c'est un ange qui l'a apparu. À Jean, dans l'Apocalypse, c'est un ange qui l'a apparu. Tous les grands hommes, même la venue de Jésus, c'est un ange qui l'a annoncé à Marie et à Joseph. Même Jean-Baptiste, tous ceux qui ont opéré avec le Seigneur ont eu la manifestation des anges, des esprits de Dieu. Par leur humilité, par le fruit de l'esprit en eux, le Dieu des esprits et des prophètes se manifeste parfaitement dans leur vie. Longtemps, nous avons vécu une vie routinière, une vie fatigante. Longtemps dans la sainte doctrine, nous avons vécu une vie qui ne change pas. Vous tournez comme ça en rond. Maintenant, déclare l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de prophétie déclare ici que l'étape à laquelle vous êtes, c'est une étape où vous monterez en dimension à dimension. Vous monterez sur les chaînes. Vous monterez. Vous monterez. Vous monterez. De gloire en gloire, d'expérience en expérience, et cela augmentera votre foi. Vous serez même plus que l'église primitive. Je déclare cela ici au nom de Jésus. Arrive par la puissance de Jésus, par la parole de Jésus. Vous vivrez la vraie vie de l'esprit. Vous vivrez la vraie vie de l'esprit. Et le Seigneur en tout. C'est ça l'échelle de Jacob. Les anges monteront, descendront sur le ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu verra en toi que ton esprit est accessible. Dieu verra en toi que ton esprit est ouvert pour des choses spirituelles. Plus Dieu verra que ton esprit est préparé comme une terre pour des choses spirituelles. Dieu enverra vers toi des esprits célestes parce qu'ils sont esprits aussi. Toi aussi tu es esprit. Donc je vous l'ai dit qu'ils ont, ils ont le fruit de l'esprit. Ah, c'est des esprits du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Apocalypse vous parle des sept esprits de Dieu. C'est ces esprits qui sont de milliards. Que Dieu a relâché. En cette saison ici, le Seigneur relâche des millions
d'esprit. Pourquoi? C'est pas des démons. Hein. Mais pourquoi? En réalité, les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus comprendre que le Saint-Esprit opère. Ceux qui veulent attendre là, comment les démons fonctionnent, comment les sorciers fonctionnent, comment les. Non! Nous savons qu'ils opèrent. Ils opèrent très bien. Et nous là, c'est le Saint-Esprit que nous devons connaître. Tiens ton frère, nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Nous devons connaître les choses de l'Esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Parce que c'est spirituellement que nous jugeons. Alléluia. Le Saint-Esprit nous fait découvrir les choses de l'Esprit. S'il y a des démons qui sont des esprits mauvais du royaume des ténèbres, il y a aussi des esprits qui sont des esprits bienfaisants du royaume des cieux qu'on appelle les anges. Par ton humilité, tu as été d'activer le mouvement spirituel de monter et de descendre des anges de Dieu dans ta vie. Battant ton humilité, le fruit de l'esprit dans ta vie, tu en es activé. Le mouvement spirituel des anges. Montez, descendez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très très chargés. Parce qu'ils veulent agir auprès. Ça dit, veulent obéir. Aussi obéir au Saint-Esprit. Et lorsque tu demeures, tu as le caractère du Saint-Esprit. Tu deviens un esprit. Lorsque tu deviendras un vrai esprit, tu attireras en toi des esprits de Dieu. Acclame Jésus. Amen. C'est ça que nous appelons la dispensation prophétique de l'esprit. La dispensation prophétique de l'esprit. Quand je suis venu, je vous ai dit que l'onction du Saint-Esprit est là. Que la présence du Seigneur est là. Ne remets pas de la présence du Seigneur. Nous que la présence du Seigneur est abondante ici. Le Seigneur envoyait des esprits divins entourer ce lieu. Parce que tu dis, l'ange de l'Éternel, alors, il y a des esprits de Dieu qu'il a envoyés à son Christ. La dispensation prophétique de l'esprit en cette saison est aussi un fort mouvement spirituel que le Seigneur libère depuis le ciel, depuis le lieu de perfection au ciel. Le ciel libère un mouvement spirituel. Le ciel libère cela maintenant. Il libère depuis le ciel un mouvement spirituel. Ce mouvement spirituel-là, il n'y a pas de réponse. Montez, descend. Plus tu seras connecté aux choses spirituelles, tu n'échapperas pas à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que ce mouvement spirituel, je vous ai dit que je vois des personnes qui vont courir comme ça. Homme de Dieu, j'ai reçu quelque chose. J'ai vu ceci. Nous irons vers les hommes de Dieu. Cela, plus vous recevez cela, vous aurez la crainte de Dieu. Une église qui ne vit pas des esprits spirituels ne peut pas craindre Dieu. La crainte de Dieu ne peut pas être possible si vous ne vivez pas des espérances spirituelles. Quel est le dernier esprit de cet esprit de Dieu? Il y a à revoir. L'esprit de crainte. L'esprit de crainte, non. Alors, pourquoi on met l'esprit de crainte à la fin? Parce qu'il y a d'autres esprits qui doivent travailler. Et nous amener à la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui commence les choses spirituelles. Les choses spirituelles commencent par d'autres activités. Et c'est par ces choses que Dieu s'est marié. La crainte de Dieu. Le fruit de l'esprit vient d'abord. Quand le fruit de l'esprit vient là, il nous amène à la crainte. Et c'est ça qui nous donne aussi la sagesse. Et la sagesse de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel à le commencement. La sagesse, l'esprit qui est répandu d'abord. Qui nous donne la crainte de Dieu. Des choses de l'esprit. L'homme ne peut pas craindre Dieu s'il n'expérimente pas les choses de l'esprit. Je vous le dis en vérité. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si l'esprit ne vous fait pas vivre les choses.
L'apôtre Paul faisait quoi? Il était appelé Saul. Il combattait l'église. Il s'opposait aux disciples. Il parlait contre Jésus. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Il y ait une rencontre surnaturelle. Et qui lui apparaît à ce temps? Jésus l'homme. Il s'est apparu. Donc il s'est apparu à Saul. Il dit, c'est moi Jésus que tu combats. En ce moment, Paul a fait quoi? Il s'appelait Saul. Il était abattu. Ses yeux ne voyaient même plus. Et il était humilié. La clé de Dieu est venue. La clé de Dieu est le commencement de la sagesse. Veux-tu craindre Dieu? Vis selon la sagesse. Et l'esprit de sagesse te gouvernera. Et mettra en toi le fruit de l'esprit. Et ce sera le témoignage de ta vie. Si l'église ne vit pas les choses spirituelles, il sera difficile pour elle de vivre sans péché. Je vous le dis en vérité, les expériences spirituelles viendront vous révéler le conseil de Dieu. Pas les expériences spirituelles, l'esprit de Jésus viendra te révéler à toi le conseil de Dieu a décidé aussi. On dit que Dieu habite au monde surnaturel. Nous, on est au monde naturel. Combien? Si tu a le fruit de l'esprit et que tu deviens homme spirituel, le chose que Dieu décide dans l'éternité, les choses que Dieu est en train de préparer au monde surnaturel, il va te les révéler. Il te révélera ces choses. Et plus sur ces révélations, plus chacun aura ces révélations, nous aurons tous la crainte de Dieu. Parce que là, nous sommes en train de voir que Dieu que nous adorons est Dieu réel, est Dieu vivant. L'amour et tes yeux spirituels s'ouvriront. Le Seigneur envoie l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de prophétie agit en ce lieu. 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 Agit au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen.
Le Seigneur fera des choses extraordinaires avec vous. Les choses que l'Esprit est en train de dire là, écrivez quelque part. C'est des choses qui vont se passer. Vous verrez des jeunes gens parmi vous qui courront ici. Ou Dieu, ou Dieu, ou Dieu. Je ne commence pas à vivre ceci. C'est de là, c'est. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais écouté ça. Je n'ai jamais vu cela. Les jeunes filles viendront et diront Jésus, j'ai découvert Jésus. Avant, j'avais entendu parler de Jésus. Maintenant, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu son œuvre en action. J'ai vu son œuvre en action. Si tu es né de Dieu, tu dois vivre le spirituel. Si tu es né de Dieu, tu dois vivre le spirituel. Si tu dis que je suis né de Dieu, et tu ne vis jamais le spirituel, tu es non charnel. Le Saint-Esprit vous amène à cette dimension. Vous serez dans l'esprit. Vous vivrez à l'esprit. Pour votre vie là, la chair sera totalement battue. Vous vivrez une vie d'esprit. Vous vivrez une vie surnaturelle. Le Seigneur amène, ça dit, ces esprits sont pleins ici. Tous ceux qui viendront ici verront leur vie changer. Tous ceux qui viendront ici, pas le fruit de l'esprit en vous, leur vie changera. Parce que le Seigneur a répandu des millions d'âges qui travailleront avec vous, qui opéreront, qui l'enverront agir pour s'aimer dans cette église la crainte de Dieu. Malheureusement, c'est des êtres, c'est des dons, des démons, tout ça qui commence à gouverner les églises. Pourquoi? Parce que les esprits divins ne sont pas présents. Les démons sont les esprits sataniques. Ou bien, les démons sont les esprits du diable. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a aussi plusieurs esprits. En lui, il y a les esprits, la lumière. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit envoie avec toi des esprits qui lui appartiennent. De la même manière que Satan a des mauvais esprits, il envoie pour opérer. Dieu envoie avec toi ses bons esprits. Il envoie avec toi ses esprits qui sont le Saint-Esprit. Et vous verrez la crainte de Dieu sera là. Les gens adoreront Jésus. Le réveil sera installé. C'est ça qu'on appelle le réveil. Le réveil n'est pas pour le collègue, il n'est pas quelque chose, on dit réveil, réveil. Le réveil n'est pas des déclarations. Le réveil n'est pas des chants. Le réveil n'est pas le zèle amer. Le réveil, c'est la vie de l'esprit. Le réveil, c'est la vie spirituelle. Le réveil, ceux qui sont dans le réveil sont capables de croire dans le spirituel. Sont capables d'influencer le monde par le Saint-Esprit, par les œuvres du Saint-Esprit. Le Seigneur envoie sur vous l'Esprit de la prophétie, le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur dispense partout sa présence glorieuse. Et vous verrez maintenant une impression que vous ne pouvez jamais voir. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi déclare le Seigneur. Allez, apporte-la. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Hébreux 1:14. Et puis toi, t'as pas le temps, pas pour qu'on vienne. Hébreux 1, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Qui sont ceux qui doivent hériter le salut? C'est qui? C'est nous, non? Et on dit quoi? Qui sont ces esprits de Dieu? Qui sont ces esprits au service de Dieu? Non, non. Lisez le verset, relisez. La dernière version parle des anges qui adoraient Dieu, tout ça. On dit que le premier né a été introduit dans le monde et les anges l'adorent. Et après, on dit que. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, etc. C'est là où on dit qu'il fait des anges, des vents, et de ses serviteurs, des femmes. C'est là où on dit que ce sont. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent. Donc quand on dit ce sont les esprits de Dieu, c'est compris maintenant? Des anges. C'est les esprits de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Mais on dit dans Jacques 1 que le Saint-Esprit est le Père
des lumières. Le Père, là, c'est le Père des lumières. Donc je vous ai dit que dans le règne spirituel, une lumière est un esprit. Mais ici, c'est les esprits de Dieu. Parce que la lumière, c'est Dieu. Les ténèbres, c'est le monde. Quand on dit les lumières, sachez en même temps qu'on parle des esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Donc déjà, le Seigneur va faire expérimenter ces choses. Déjà, il a commencé. Parce que l'esprit de prophétie est là sur l'église. L'esprit de connaissance est là. Tous les esprits de Dieu qui est répandu, activé dans vos vies. Et vous verrez ces choses accomplies tant que vous vivez sur le fruit de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons parcourir la Bible. Vous allez voir comment ces esprits dispensent des expériences, dispensent une glorieuse présence dans l'église qui pousse chaque brebis à vivre des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Lisez Luc 1, verset 30 à 33. Comment les gens ont. Comment les gens, c'est-à-dire, ont vu la manifestation de, des esprits de Dieu, des saints. Luc 1, verset 30 à 33. L'ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, okay. Son père. Ok, ça c'est qui? C'est un ange, non? Il a dit que les anges sont des messagers. Voilà, donc ici on a vu l'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Christ. Luc 2, verset 13 à 14. Luc 2, 13 à 14. Et soudain, il se rejoignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les cieux très hauts. Et paix sur la terre. On dit la main serrée. Donc, pendant que le Fils de l'homme Jésus est arrivé, l'armée céleste, c'est-à-dire, apparu avec l'ange. C'est-à-dire, l'armée céleste était présente. Il louait Dieu. Ou bien, les anges louent Dieu. Et quand vous lisez Psaume 58, verset 2, là, moi je lis. Il louait-le tous ses anges. Louait-le tous ses fidèles. Tous ses justes. Les anges louent Dieu. Vous le savez très bien. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu. Donc, depuis que le Fils de l'homme était né là, on dit qu'il est dans 1 Timothée 3, verset 16. Il est dit qu'il est vu des anges. Il est vu des anges. Il est vu des anges. Les anges l'ont vu. C'est bon? Il disait gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous ceux qui l'aiment. Gloire à Jésus. Matthieu 2, verset 18 à 20. Les anges sont envoyés vers ceux qui craignent Dieu. Même parfois, c'était même pas cru en Jésus. Là. Mais Dieu envoie vers eux des anges. C'était n'ont pas cru en Jésus. Mais ils ont la crainte de Dieu. Ils sont des païens, mais qui ont la crainte. Mais comme Dieu sait qu'ils ne voient pas, comme Dieu sait que. Il le connaît, il l'aime, mais qu'il ne connaisse pas le salut là. Dieu les envoie les anges. En réalité, les anges sont envoyés pour exercer le ministère de la part du Saint-Esprit. Pour que nous soyons sauvés. Recevoir un message de la vie éternelle. Donc si Dieu voit un païen qui l'aime, qui ne connaît pas encore Jésus, Dieu l'envoie vers lui. Soit un ange de la mer céleste, soit un ange de la mer terrestre. Nous sommes les anges de la mer de Dieu qui est sur la terre. Nous sommes les anges de Dieu qui sont dans la mer céleste qui habitent sur la terre. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, mais qui adore Dieu dans le monde,
Mais Dieu voit que non. Moi, je ne connais pas Jésus. Pas il nous envoie vers lui. C'est nous les anges qui envoient vers eux. Il peut nous envoyer, nous, qui sommes les anges physiques, pour envoyer vers lui des anges qui sont esprits de l'armée céleste de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pour les choses glorieuses. Alléluia. Amen. C'est bon? Ok. Matthieu 2, verset 18 à 20. J'ai le nom de Jésus. 19 à 20. 19 à 20. Quand les autres filles mortes, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph pour Égypte. Il nous sauve du danger. Un ange apparaît à Joseph, hein? Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc ici, un ange a averti Joseph du complot d'Hérode pour tuer Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quand tu es... Allez, vous laissez là. Tu vas opérer dans le spirituel. Je l'ai dit avant. Tu vas entendre le spirituel. Tu vas voir dans le spirituel. Si tu as le fruit de l'esprit là, réellement, quand tu le mets en pratique là, tu verras dans le spirituel, tu vas entendre dans le spirituel. Et c'est la grâce de Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Lisez-moi le livre de Luc 22, verset 40. Attends. Matthieu 4. Matthieu 4, nous vient. Voilà. Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Donc, on dit que les anges viennent faire quoi? Servir Jésus. Parce que Jésus avait le fruit de l'esprit, il attire vers lui. Quand tu as le fruit de l'esprit, tu attires à toi les anges de Dieu. Si tu as le fruit de l'esprit, tu marches selon la grâce de Dieu, dans l'obéissance à Jésus, dans l'amour, tu attires vers toi les anges de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Luc 22, verset 43. Luc à table, on va beaucoup plus blanc de voir. Luc 22, le verset 43, j'ai le nom de Jésus. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Voilà, ici un ange est venu fortifier. Les anges fortifient aussi beaucoup. Quand on dit que le Saint-Esprit, je ne puis tout pas l'esprit là. On dit que c'est les anges qui l'envoient pour faire du travail. C'est lui-même qui le fait. Mais comme il est le Père des Lumières, le Père des Esprits, il les envoie. Quand le diable veut opérer quelque part, là, c'est lui-même diable qui descend. Il envoie qui? Les démons. Dieu, quand il veut aussi opérer, il envoie ses anges. Il y a aussi les démons invisibles de Satan. Et aussi les démons visibles de Satan. Les démons invisibles de Satan opèrent dans le royaume des ténèbres. Ils sont des esprits qui travaillent au service de Satan. Et il y a aussi les démons visibles de Satan qui sont des esprits qui sont dans les corps d'hommes. Des esprits méchants qui opèrent dans les corps des humains qui sont dans la main terrestre de Satan. C'est la même manière que dans les pour nous aussi, il y a des anges de Dieu qui sont dans le spirituel, qui sont la main visible de Dieu. Et nous aussi, nous sommes des anges de Dieu qui sont dans la main visible de Dieu. Les autres sont dans la main visible. Alléluia. C'est bon, vous comprenez? Avec des versets bibliques à l'appui. Gloire à Jésus. On est où? Donc les anges fortifient beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui le fait, mais il passe. C'est pourquoi il y a l'esprit de force, non? Ou bien? Il n'y a pas l'esprit de force dans Esaïe 11. L'esprit
de force. C'est l'œuvre de la manipulation du Saint-Esprit, pas un ange de la force. C'est ça, le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Les anges, voilà, ici, nous allons lire Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26, 53. Matthieu au tableau, on va dire que le Saint-Esprit est glorifié ce soir. Le Saint-Esprit est glorifié quand on parle que de lui. On parle de ses manifestations. Mais quand dans l'église, on ne parle que des démons. On ne parle que le royaume des ténèbres. C'est comme si nos compagnons sont les démons. Les démons ne sont pas nos compagnons. Notre compagnon principal, qui est notre consolateur, est le Saint-Esprit, qui envoie vers nous ses esprits. Alléluia. Oui. Matthieu 26, verset 53, je le demande. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ah ah. Ouais. Donc Jésus peut invoquer le Père pour qu'il envoie vers lui des anges. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, on a vu que les anges même sont capables de venir sauver, de venir et arracher les enfants de Dieu contre le danger des démons. Puis, ami, lorsque tu vivras la vie de l'esprit, par le fruit de l'esprit, dans ta prière, tu es en train d'activer le mouvement spirituel des anges. Dans le combat spirituel, c'est les anges qui se lèvent. Quand tu, toi, tu pries sur la terre, ta prière devient comme un parfum. Et les anges se lèvent. Il commence à s'opérer. Il commence à monter et descendre. Il monte pour prendre avec lui. Il prie et aller vers le Père. Descend avec la réponse, les ossements. Et s'il y a des démons dans les airs, dans les hauteurs, qui sont là pour combattre ta prière, ils sont là avec des armes. Et une guerre spirituelle déclenchée. Donc les anges de Dieu sont dans l'armée du ciel. Sont dans l'armée invisible des cieux. Par qui Dieu combat les œuvres des ténèbres. C'est compris? Donc quand tu pries maintenant, sache que Dieu a envoyé des anges. Non, et qui opère spirituellement. Il y a des combats spirituels qui se passent. C'est bon? Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Matthieu 28, verset 2. Matthieu au tableau, on y peut pour y avoir quoi? Matthieu 28, verset 2. Et voici. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Voyons, il vient rouler la pierre. Donc eux travaillent, eux sont là, 24 heures, ils ne se reposent jamais. Dans le monde spirituel, là, il n'y a pas de silence. Mais dans la Bible, il y a dans l'Apocalypse un moment de silence. Qui s'est passé dans le spirituel. Gardez pas le compte. Parce que dans le monde spirituel, il y a aussi un temps pour chaque chose. Il y a aussi, quoi qu'il se repose pas là, il y a un temps pour chaque chose. Et dans ce silence, il s'est passé beaucoup de choses. Vous devez combler ça, l'Apocalypse. Mais ce n'est pas le moment d'en de ces choses. Nous sommes en train de parler des expériences spirituelles et glorieuses dans la sainte doctrine de Jésus. Gloire à Jésus. Ok. Matthieu 28, verset 5 à 6. Les anges, c'est eux que Dieu utilise pour annoncer la loi. C'est eux que Dieu utilise pour donner des messages. Donc dans les expériences spirituelles, vous verrez des hommes qui vous apparaîtront, mais qui sont en réalité des anges de Dieu. Vous verrez des hommes qui vous apparaîtront, mais qui ne sont pas des personnes que vous pouvez toucher comme ça, mais qui sont esprits et qui parleront et s'envoleront ou disparaîtront. C'est des esprits de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Vous le placez votre foi au Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est le Père qui envoie les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Matthieu 28, verset 5 à 6. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit,
venez, voyez le lieu où il était couché. Mm-hmm. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Acte 1, à partir du verset 9 à 10. Donc, t'as pas compris. À 11 ans. Acte 1, verset 9 à 11. Nous allons vivre ici la vie de l'esprit. Bien aimé, vous allez vivre une vie spirituelle. Et cela vous poussera à être toujours dans la sanctification. C'est ça qui vous mettra. C'est ça qui gardera vos robes pures. Sinon, si le Seigneur vous opère rien, vous n'aurez jamais la croix. Les apôtres, c'est parce qu'ils avaient des expériences spirituelles et glorieuses que la crainte de Dieu était dans l'église. Chacun craignait Dieu parce que Dieu est vivant. Nous adorons un Dieu vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Mais pourquoi nous vivons dans l'église comme si nous avons un Dieu mort? Nous sommes les démons seuls qui constituent l'œuvre. Dieu est un Dieu vivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit dans Apocalypse 1, voici, je suis vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Nous adorons un Dieu vivant. Il fera avec vous des expériences vivantes, des expériences spirituelles, des expériences glorieuses. Au nom de Jésus. C'est bon? Acte 1, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fit élevé pendant qu'ils le regardaient, et une lueur le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ces deux hommes, c'est des anges. Les anges sont des hommes spirituels. Eux n'ont pas l'âme ni le corps. Eux sont des hommes esprits. Nous, on est des hommes esprits, mais dans le corps de chair. Mais celui qui grandit spirituellement, qui est en Christ, qui devient un homme spirituel, n'est plus comparé comme un homme naturel qui est un esprit dans une chair. Toi qui deviens un homme spirituel, tu es comparé aux anges. Et vous travaillez comme tous. Dieu vous voit au même titre que les anges. Vous le savez maintenant. Acclame Jésus. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Le verset 10. Le verset 10. Acte 1, 10. On est là, le sang. Oui, on a déjà vu. Ok. Donc, c'est les anges qui étaient ici aussi. Ça montre que les anges étaient présents quand Jésus était enlevé. Alléluia. Amen. Ok. Il y a beaucoup, je vais citer, vous allez, après vous allez, il y a d'autres que je vais vous donner de lire. Même les choses spirituelles existent jusqu'à ce que ce sont les anges qui sépareront les justes et les méchants. Matthieu 13, 41, 40, montre que le Fils de l'homme enverra ses anges. Et ils rassembleront de son royaume toutes les choses. Tous ceux qui offensent et ceux qui pratiquent l'iniquité. Les hommes viendront séparer les méchants des justes. Alléluia. Amen. Dans Luc 12, verset 8, on dit, quiconque ne me reconnaît pas publiquement, quiconque ne confesse pas mon nom devant les hommes, ou bien quiconque reconnaît Jésus, qui confesse Jésus publiquement, sera aussi reconnu et aussi attesté devant les anges de Dieu. Mais que lorsque nous recevons le fruit de l'Esprit, la Bible dit que les anges sont contents au ciel. Si vous recevez le fruit de repentance, les anges sont contents au ciel. Parce que la Bible dit, lorsque un seul pécheur devient juste, il a de la joie devant les anges. Il a de la joie au ciel. Ou bien, alléluia. Acclame Jésus. Même nous, ça va très
bien que c'est un ange qui annonçait la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Luc 1, le verset 11 à 17. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, nous avons déjà dit ces choses. Maintenant, je vous ai dit que les anges sont des esprits, ou bien c'est des esprits qui ont le pouvoir de Dieu d'exercer une mission particulière au ciel, sur la terre. Ils sont dans le règne spirituel au troisième ciel. Ils sont dans le règne des esprits célestes. Ils participent à l'armée des cieux. Gloire à Jésus. Psaume 18, verset 10. Psaume 18, le verset 10. Il dit au nom de Jésus. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. C'est bon, verset 10. Psaume 18, 10. Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, les anges font partie de l'armée de Dieu. Les anges sont les messagers de Dieu. Les anges sont les guerriers de Dieu. Les anges sont les protecteurs que Dieu envoie. Les anges sont les adorateurs de Dieu. Les anges sont les exhortateurs de Dieu. Les anges sont les agents de Dieu. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Les anges sont les flammes de feu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous aussi, nous sommes des anges. Donc, nous aussi, nous sommes des messagers de Dieu. Nous sommes aussi des flammes de feu. Nous sommes aussi des esprits de Dieu. Nous sommes tout ce que les anges sont. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, les anges font quoi? Quel est le rôle des esprits de Dieu? Les anges communiquent le Dieu, c'est qu'ils communiquent le message de Dieu. Ils en servent. Ils en servent les hommes. Ils interviennent dans les moments où l'humain, ils interviennent dans le surnaturel. Dans le moment où l'humain se trouve capable d'agir, le Saint-Esprit les envoie. Ils délivrent, ils opèrent des délivrances. Dans la Bible, nous avons vu plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu qui ont été délivrés de la prison par des anges. Comme Pierre, qui était emprisonné par Hérode, il était emprisonné à des apôtres. Tout l'église priait. Et les anges de Dieu sont venus lui ouvrir le portail pour sortir de la prison. Paul et Silas aussi chantaient bien. Le Saint-Esprit est sorti par ses anges qui les ont aussi libérés. Alléluia. Amen. Même l'Apocalypse est révélé par un ange. Plutôt est révélé au travers d'un ange. On dit révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui. Et Apocalypse 1. Donc je comprends que pour dans les réalités spirituelles, pour vivre les expériences spirituelles, il faut mettre foi en Jésus. Il faut avoir le fruit de l'esprit. C'est là maintenant le Saint-Esprit envoie vers nous les esprits de Dieu. Oui. Apocalypse 1, après le verset fini. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Par l'envoi de. Quand Jean a eu une expérience spirituelle. Par le biais de l'ange. Je déclare sur toi. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur envoie aussi vers toi son ange. Pour expérimenter ce que Jean a expérimenté. Pour avoir des révélations sur le mystère du royaume des cieux. De la même manière que Jean a reçu la visite d'un ange de Dieu qui est venu lui expliquer d'amener dans les hauteurs pour le montrer les choses célestes. Je suis fait la même chose avec toi pour édifier l'église pour que la crainte du Seigneur soit restaurée. Alléluia. Amen. Jésus. Donc je voulais dire quel verset. Non, je parlais de Pierre. Ou bien Paul et Silas étaient esprits. Donc les anges aident. Ils exercent un ministère.
Ils, le Saint-Esprit les envoie apporter la guérison. La guérison surnaturelle. Ils font cette guérison. C'est moi, c'est pas compris. On dit Seigneur, vois tes anges. Vous guéris. Ou bien, vous dites ça, non? Voilà. Ça veut aussi parler des expériences spirituelles. Les anges apportent la délivrance. Ils apportent des messages. Ils orientent vers une direction. Ils amènent des provisions. Jésus a été visité par des anges. Pendant qu'il avait 40 jours de jeûne, après ces 40 jours, il a été tenté par le diable. Les anges étaient venus lui donner la provision. Ils sont venus le servir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les anges aussi apportent la sagesse. Je vous ai parlé de l'esprit de sagesse ou bien. Ils apportent aussi la victoire de Dieu. Ils apportent la clarté de notre communion, sa vie. Le Seigneur les envoie pour nous éclairer sur des choses que nous ne connaissons pas. Ils apportent la paix pendant qu'il y a la guerre. C'est toi, tu es un ange de Dieu. Tu vas aussi apporter la paix dans ton entourage. Alléluia. Ils apportent le réconfort. Donc, on dit qu'ils apportent déjà la force. Ils reprennent, le Seigneur les amène, les envoie à donner les ossements à nos prières. Quand nous prions, le Seigneur les envoie avec des réponses précises. C'est Daniel a expérimenté. Quand il a prié, Daniel a envoyé vers lui. Ils opèrent aussi dans le jugement. Dieu les utilise à juger. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes semblables aux anges. La Bible dit l'homme spirituel juge. Il juge de tout. Et il n'aime lui-même pas juger, pas père. Il sort. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous ai déjà dit qu'ils opèrent dans la guerre spirituelle. Dans le combat spirituel. Alléluia. Donc, il le Seigneur les utilise aussi pour donner des encouragements. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui est tout. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que ces anges sont là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un souffle. Mais le souffle du Dieu vivant. Les esprits de Dieu, qui sont ces anges, sont aussi des souffles. Vous me comprenez? Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, quand on dit l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, en réalité, c'est la manifestation des esprits de Dieu, des sept esprits de Dieu, des anges de Dieu. C'est ça que le Seigneur fait dans l'Église. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Mais il utilise les anges. Bah, il est le Père des esprits. Il est le Dieu des esprits de l'homme. Il est le Dieu des esprits célestes et divins. Gloire à Jésus. Il combat les démons. Il nous aide dans notre parcours. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui se manifeste dans le prophétique. Lorsqu'il y a le prophétique dans l'église, c'est la manifestation des anges. Lisez-moi Apocalypse 20. Apocalypse 20. Attends. Voilà. Voilà. 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Reprends la lecture. Lorsque Jean a vu une révélation terrible, que l'ange est venu l'apporter, Jean s'est tombé à terre. Il est tombé à terre. Il a commencé par adorer l'ange. On n'adore pas les anges. On n'adore pas des esprits. C'est le Seigneur qu'on adore. Parce que nous sommes aussi des esprits. Eux aussi sont des esprits. Les anges sont des créatures de Dieu. Nous aussi sommes des créatures de Dieu. De la même manière que quand Dieu veut opérer sur la terre, visiblement, qui utilise celle toi non? C'est nous, non? C'est nous qui utilisons, non? Oui, c'est des décrets. Donc, quand Dieu veut
opérer aussi dans le spirituel. Il utilise aussi les anges. Et nous travaillons, nous sommes aussi spirituels. Et aussi sont spirituels. Nous travaillons ensemble avec le Saint-Esprit, avec les anges de Dieu. Mais nous sommes des créatures. Les anges sont aussi des créatures. On ne peut pas adorer une créature. Dieu dit, n'adorez pas des créatures. Nous n'adorons pas le ciel, ni la terre, ni le soleil, ni la lune. Nous n'adorons pas les anges. Nous adorons Jésus. Parce que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus. Ce qui veut dire que même si l'ange donne une prophétie dans l'église, parce qu'on dit l'esprit de la prophétie, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est le Saint-Esprit qui libère la présence des anges qui travaillent dans le prophétique. Même s'ils le font là, c'est le Saint-Esprit. Lui, on doit en gloire. Ce n'est pas un ange qui fait quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit. Mais eux, le Saint-Esprit les utilise comme des esprits. De la même manière qu'ils l'utilisent pour se donner un instrument. Quand le Seigneur dit que tu te lèves, est-ce que tu te rends la gloire? Tu dis quoi? Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous devons les adorer Dieu. Relis l'écriture, nous devons faire quoi? Nous devons adorer Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc, adore Dieu. Donc, parce qu'ils ont le témoignage de Jésus, nous devons adorer Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer. Dis à ton frère, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Et manifeste le fruit de l'esprit. Dans ton adoration, avec le fruit de l'esprit, Dieu enverra avec toi des anges, des esprits de Dieu. Adore Dieu. Fais confiance à Jésus. Et il enverra avec toi le Saint-Esprit et ses anges. Adore Jésus. Nous n'adorons pas les anges. Nous ne voquons pas le nom des anges. C'est Jésus que nous adorons. Et quand nous prions Jésus, Jésus ordonne à ses anges de venir. Mais vous devez le savoir que le ciel est où que les anges montent et descendent. Si on ne vous le dit pas, c'est qu'on ne vous révèle pas une partie de la Sainte Doctrine. Parce que ça, c'est le signe, c'est l'enseignement sur le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la Sainte Doctrine. Donc, si tu es Yoha là, tu ne vivras jamais les expériences spirituelles. Si tu ne sais pas que les esprits de Dieu travaillent, tu ne vivras jamais les expériences spirituelles. C'est maintenant quand je le dis que tes yeux sont maintenant. Qui est en train de voir maintenant? Qui est en train de voir maintenant? Qui voit maintenant? Qui voit maintenant? Avant, est-ce que tu voyais? Est-ce que tu voyais avant? Ou acclame Jésus? Tu n'as plus prié, Seigneur, ouvre mes yeux. Tes yeux sont bien ouverts. Vois, on te dit vois. Vois. Le Seigneur m'a dit, dis-le. C'était ça que j'ai dit au début. Qui ne prie pas pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Mais dis-le d'ouvrir leurs yeux. D'être éclairé eux-mêmes par mon esprit que je lui ai dispensé en eux. Amen. C'est ça la foi radicale et surnaturelle. Et il y a une force bataille. Quelque chose de ton état. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc sachez déjà dans votre esprit que l'armée de Dieu est présente dans l'église. Par cet enseignement, par cette prophétie que nous voulons lui donner maintenant, par ce message prophétique, le Saint-Esprit vient de libérer un esprit dans l'église. Qui a vu, qui a senti sa manifestation aujourd'hui? L'esprit prophétique est déjà dans l'église. Et cet esprit vous fera vivre des expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. Désormais, ce n'est pas, c'est-à-dire ce ne sera plus les témoins des autres que vous allez entendre. Où on dira, ah, le Seigneur m'a rempli un esprit. On suppose que Robert a touché, qu'elles ont touché, on a fait un témoignage là. Ce ne sera plus seulement leur témoignage. Désormais, c'est vos témoignages. Je suis là, 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 je suis
de Jésus. Le témoin de Jésus sera ta vie, dans ton esprit. Et fais le ventre. Alléluia. Amen. Je finis cette prédication. À vous, je vais vous donner, expliquer deux de mes expériences qui m'ont impacté. Il y a plusieurs autres. Mais ça répond au thème de notre prédication. Il y avait un jour, ça je vous explique comment les anges opèrent. Ces jours vont vous aider à comprendre comment le Seigneur opère. Pourquoi j'insiste sur le fruit de l'esprit? Lorsque vous manifestez le fruit de l'esprit, les hommes verront vous comme si vous êtes des anges. Les hommes vous appellent, les anges de Jésus vous ont visité. Mais vous allez comprendre que même dans l'acte des apôtres, lorsque Paul et Silas étaient en Éphèse, les Éphésiens voyaient la gloire de Dieu en eux. Jusqu'à ce que les Éphésiens ne commençaient pas à dire l'autre est Jupiter, l'autre est quoi? Ils ont commencé à citer le nom de l'un Dieu à Paul et Silas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le divin opérer par eux. Ils ont vu le divin en eux. Ces êtres-là ne sont pas des êtres normaux. Ils sont pas des êtres ordinaires. Je déclare sur toi que la vie de l'esprit te permettra d'être un homme extraordinaire. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu seras plus un homme naturel. Tu deviens un homme surnaturel. Un homme extraordinaire. On veut que le monde entier dise celui-là. Il n'est pas un homme ordinaire. Il est un Dieu. Nous verrons que tu es un esprit de Dieu par qui Dieu exerce ses décrets et qui a par son monsieur. Gloire à Jésus. Alléluia. C'était un jour, je conduisais ma moto. Je voulais rentrer à la maison. Il y a plusieurs expériences. Mais je vais donner deux. Deux qui vont être similaires sur les apôtres qu'on veut donner. Sur le prédication. Il y a aussi le secteur Jacques aussi. Que, à qui le Seigneur fait grâce de vivre des expériences spirituelles et surnaturelles. Par la grâce de Dieu, vous aurez les témoignages. Un peu de témoin vous édifiera. Gloire à Jésus. Les hommes de Dieu aussi vivent des expériences. Alléluia. Donc le soir, j'étais en moto. J'avais quitté l'église. J'étais avec le pasteur Apollos. Le pasteur Apollos, c'est mon frère. C'est mon petit frère. Il est rentré à la maison. Moi, j'étais à moto. J'étais au carrefour de la voie qui mène dans ma maison. Le carrefour est un peu éloigné de ma maison. Lui, il est rentré. Je conduisais ma moto. Et en même temps, le carburant filait dans ma moto. J'ai commencé par trimballer la moto. C'était difficile. Parce que la maison est un peu éloignée. Et même, je ne trouve même pas d'essence de carburant sur le chemin qui mène chez moi. Donc, au lieu de... normal. Le carburant, je vais à la maison. Le carburant est fini ici. Normalement, je dois continuer. Je trouvais le carburant devant. Je vais devant, je ne trouve rien. Je retourne. Au lieu de prendre la voie qui mène à ma maison, je me retourne. Je continue. On me retourne à l'arrière. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que le carburant, j'ai qu'à aller comme ça. À la maison. Le carburant est fini. Non, moi, je ne dois pas me retourner. Je dois continuer pour chercher là où on vend, qui est proche où on vend le carburant, qui est proche de ma maison. Je ne le retrouve pas. Je me suis retourné. J'ai pris le chemin inverse. Arrière. Je suis arrivé. Les gens se moquaient de moi. Les gens disaient, regarde comment il lui fait là, et il n'a même pas le carburant cette nuit. Tout le monde sait comment s'organiser. Tout le monde cette nuit, il n'y a plus de carburant. Les gens me découragent sur le carburant. Il n'y a plus de carburant. Mais c'est quoi? C'est fou ou quoi? À cette heure, qui va trouver ça où? Et je n'étais pas moi seul, j'étais pas seul. On était deux ou trois comme ça. Et c'est ça étonné les gens. Les gens disaient, mais comment vous êtes fait pour retourner à Dieu? Pourquoi il n'y a même pas de carburant dans votre moto? À cette heure de la nuit. Et j'étais abattu. Je suis arrivé à un carrefour. Il y a une voie. Je suis arrivé à un carrefour. Dans l'arrière, il y a une voie. C'est mieux de faire comme ça. Il y a une voie à droite. Une voie. Il y a une voie à droite. Une voie à gauche.
Je suis venu comme ça. Je suis en train de réfléchir. Tourner à droite ou à gauche. Parce que je ne sais pas l'heure où il y a le carburant. Je fais une heure, deux heures. Et j'étais confus. Et les gens disaient, il n'y a plus d'essence. Je vais faire comme ça à gauche. C'était miracle, c'était surnaturel. En même temps, pendant que les gens me parlaient mal de moi, je retrouve un Zim. Vous l'appelez Zim. Zim Dja, ou bien un Dassi Moto. Dassi Man, qui est venu comme ça à ma gauche. Et qui me demande, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es confus? Je lui ai dit, je manque de ça. Je suis allé tourner à gauche et droite pour savoir quelle direction prendre. Parce que pendant la nuit, là, il faut chercher la direction la plus courte. Où il y a des caméras. Donc, j'étais en train de casser la tête. Quand j'avais tourné à gauche, mais pas trop de et j'étais entouré. Et là, il me dit, regarde à gauche encore. À gauche de moi, je voyais là. Et je ne voyais pas le caméra. Quand j'ai tourné à gauche, j'ai vu le vendeur d'essence. Qui était là? Et je voyais, vous voyez la couleur verte. Parce qu'il met la lumière. Et ça donne le vert. J'ai vu le vert. Oh, avant moi, mais je le voyais. Quand il est venu, il m'a éclairé, il m'a dit voilà. Voilà. J'ai dit ah. Et je dis maintenant, donc, merci beaucoup. Hein. Comment faire maintenant? Et j'ai dit ah là, je vais rouler pour aller. Et en même temps, il me dit je t'accompagne. Où est comment les motos poussent les autres motos? En même temps, il dit laisse. On y va. Et il m'a poussé. Quand je vois, quand il m'a monté, c'est comme si c'est poche. Il ne me disait rien. Je ne le connais pas. Il allait. Jusqu'à ce qu'on atterrit au lieu. Le lieu, c'est vers l'autre bord de la voie. Et je vais traverser. Et quand on est venu au lieu, il m'a dit, c'est bon, voilà le vendeur de sens. Quand il le dit en même temps, moi je veux dire, oh merci, merci pour tout ce que vous avez fait. En même temps, il est parti. Il ne veut même pas attendre. Il ne veut rien attendre, ni rien dire. Il est parti. J'ai commencé par le chef, je ne l'ai plus vu. Et je suis allé prendre ça. En même temps, j'ai commencé par courir de là. Moi, quand je vis des expériences spirituelles, c'est des larmes qui commencent à sortir de moi. Des frissons, des larmes. Et je sais. Et c'est là, j'ai d'abord commencé à étudier. J'ai perdu le carburant. Les hommes ont commencé par crier sur moi. Tu as perdu l'essence. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais tu ne peux pas t'approvisionner ni d'essence avant la nuit. Et là, ce que je me dis, ça c'est ça c'est l'homme extérieur, l'homme naturel, l'homme animal et charnel. Voilà comment il parle. La chose est arrivée, non? Au lieu de te sauver, on ne commence pas à te juger de ton dernier. Et le Seigneur me dit que l'homme qui est venu, le tassement, c'est un ange. Et le Seigneur commence à me dire, quand lui est venu là, est-ce qu'il t'a jugé? Est-ce que la chose est arrivée? C'est comme quelqu'un qui a fait accident. Les gens pompiers sont venus. Au lieu de le sauver, on le prend. Il a vraiment dit, regarde, comment tu as fait? Comment tu veux vous tomber? Comment tu es?
Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais il y a un petit peu de temps. La chose est arrivée, la réunion, le problème. Quand on finira de parler, après, nous allons parler des causes. Elles ont compris. Mais ça, comment? Donc les hommes spirituels sont pragmatiques. Ils sont automatiques. Ils aiment les choses directes, ils règlent le problème. Oui. Ça m'a étonné. Quoi? Moi, je ne voyais pas le carburant. J'ai vu. Donc mes yeux étaient fermés. Il est venu ouvrir. Si je faisais à droite, j'allais me perdre. Je dis, donc ça, c'est pas un fait naturel. Et ce qui m'étonnait quand on allait, on dit non, il me voyait là, il ne commence pas à me suivre comme les autres. Même disons, si c'est toi, si c'est toi, tu vas commencer, mais c'est quoi? Même si tu lèves là, ils sont en train de murmurer sur lui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas organisés. La nuit, là, tu roules, tu as essence. Tu lèves, mais tu parles encore. Tu parles encore sur l'être que tu le fais. Alléluia. Amen. Et il était calme. Il était calme. Il était doux. Il me conduisait. Il m'amenait. Il m'amenait. Jusqu'à Bado au lieu. Ce qui m'a fait partir plus. Quand il est arrivé au lieu de l'essence. Il ne m'a pas dit. Donne-moi l'argent. Même au début, il n'a pas dit. Donne-moi l'argent. Oh, la plupart des hommes. C'est l'argent qu'ils prennent avant de nous. C'est qu'ils font ça. Ou bien ils ne prennent pas l'argent. Ou soit qu'ils prennent avant de nous prendre. Avant de nous conduire. Ou soit quand nous arrivons. C'est là qu'ils prennent l'argent. Ou bien. Quand il est venu, au lieu de combien pas me dit, s'il n'était pas venu, tu n'allais pas être sauvé. C'est moi qui allais te sauver. Tu vois que l'homme. Il n'a rien dit. Il n'a pas cherché à tirer sa propre gloire. Il n'a pas voulu chercher sa propre renommée. Quand il est venu, il est parti. Et je voulais, j'ai combien de temps pour ça pour prendre l'argent. Pour le donner, mais il est parti. Ça, c'est un ange de Dieu. Nous devons être semblables aux anges. Semblables à la vie de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur opère. C'est là que le Seigneur me parle de l'évangile. Donc, je vais te donner aussi une leçon. Quand tu vas évangéliser, les gens sont malades. Va les guérir. Tu es envoyé pour guérir les païens. Ils sont malades. Et c'est là le verset qui dit, laisse-moi tu sais ma main pour guérir les captifs. Pas porter aux malades, la paix, la guérison, la délivrance. Et quand le Seigneur nous envoie d'abord, nous sommes comme des sapeurs de pied. Nous ne devons pas commencer par accuser la personne qui est en danger. Nous le sauvons d'abord. Dans les anges là, c'est comme ça qu'ils opèrent. Et c'est édifié. Et ça m'a dit que quand vous œuvrez pour quelqu'un, ne cherchez pas votre gloire. La même manière que l'esprit, quand il a pris une forme humaine, il peut même conduire les voitures. Fait comme les hommes. Les démons même prennent des formes humaines. Il y a des démons humains. Ils apparaissent dans les maisons. Satan lui-même prend des formes humaines. On attend souvent dans les témoignages. Donc, de la même manière que Dieu aussi envoie ses esprits, il envoie des formes humaines. Nous travaillons. Comment tu observes que ça, c'est un ange? Ça, c'est le caractère. C'est le caractère qu'il manifestera. Si c'est le Saint-Esprit, tu verras ça. C'est Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi quand nous vivons, nous allons commencer par pratiquer la vie de l'Esprit. Les païens nous appellent des anges. Et celui-là, c'est un ange de Dieu. Acclame Jésus. Tu es quitté. Ça, c'est une première étape. Il y a aussi une autre. Il y a un jour, j'étais en train de prier dans la maison. C'était avec le docteur Damien. À l'église, de l'église de Coteau. On se rencontre souvent prier sur les choses spirituelles. On se rencontre par semaine. Vous voyez les images, quand on finit, on fait des enseignements. On se rencontre, on prie pour grandir spirituellement. On prie pour explorer le monde spirituel. Dans la quête de la croissance spirituelle, nous prions. C'est le moment de prière intense. Et nous demandons les sept esprits de Dieu. Et nous demandons Dieu, les esprits des prophètes, de prier avec nous.
Alléluia. Le jour là, on peut prier. On prie, on prie dans son nom. On a soif du Spirit. On a soif des choses glorieuses à Jésus. Et dans la prière, le Seigneur m'a dit, priez et demandez les expériences spirituelles. Et le Seigneur ne commence pas à nous donner des requêtes. Priez, demandez à ce que l'esprit de sagesse vous apparaisse. Le Seigneur a enseigné à Dieu que l'esprit de sagesse a des saisons. C'est un esprit vieux. C'est le premier esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'ancien des jours. La sagesse. Le premier de la création. Et le Seigneur est en train de nous dire que c'est un esprit qui travaille dans toutes les saisons. C'est un esprit qui apparaît chaque fois dans la vie des chrétiens. Beaucoup de personnes méprisent la sagesse. Beaucoup de chrétiens méprisent l'esprit de sagesse. Or, par cet esprit, le Seigneur organise leur vie. Tu dis toujours, mettez-le dans votre vie. Mettez-le dans votre vie. Nous devons mettre l'ordre dans votre vie. Mais tu n'as pas la sagesse de Dieu. Comment tu mettras l'ordre? Comment tu peux mettre l'ordre dans ta vie si tu n'as pas la sagesse? La sagesse est l'esprit qui nous aide à mettre l'ordre dans votre vie. C'est la sagesse de Dieu qui nous aide. On a prié, Seigneur, nous voulons la sagesse, nous voulons voir la sagesse. Parce que tu nous as dit qu'à chaque saison, tu lances, tu dispenses l'esprit de sagesse qui apparaît chaque fois vers les hommes. Nous, nous voulons voir, le voir apparaître. On a dit, Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de conscience, on a fini la prière. Et on a dit, Seigneur, même si ce n'est pas un enfant qui veut nous parler, que l'esprit de sagesse entre dans l'enfant. Si c'est un homme ordinaire qu'on ne connaît pas, que l'esprit de sagesse pénètre en lui. Si c'est l'esprit, on sait que l'esprit de sagesse là, c'est l'esprit de Dieu. Mais la manifestation, c'est un ange qui est envoyé, qui agit, qui manifeste la sagesse. On a dit, Seigneur, même si c'est un ange invisible, spirituel, envoie-le. Ou si c'est un ange qui va prendre un corps qu'on connaît déjà, envoie-le pour nous parler. On avait soif du spirituel. Ayez soif du spirituel. Et vous vivrez la vie de l'esprit dans la sainte doctrine de Jésus. Et on a prié. Après la prière, instantanément après la prière, le docteur Daniel est rentré. Et moi, j'ai appelé le pasteur Apollos. Et on était, j'ai dit, en marchant, parce que ça fait longtemps qu'on a marché, parce qu'à cause de levons pas la moto, marchons un peu, promenons-nous un peu dans le quartier, certainement nous allons prendre de l'aide. Et lorsque nous étions de marcher, on a découvert un frère qui est dans l'église, l'ancienne église dans laquelle nous étions. C'est pour nous dire, soyez humble. Vous vivez les espaces spirituels, soyez humble. Soyez humble. Dieu peut tuer n'importe qui pour parler. N'importe qui, même s'il n'est pas en Christ là. Dieu peut tuer même un païen pour parler. On a dit l'esprit de sagesse. Il apparaît dans les apparitions qui sont surnaturelles, que l'homme ne peut même pas comprendre. Des apparitions extraordinaires. Là où tu penses voir le Saint-Esprit là, c'est pas là il va te se révéler à toi forcément. Et le jour-là, on a découvert le frère. Le frère marchait. C'est un frère qui me connaissait beaucoup, qui me considérait beaucoup. Mais au grand jamais, ce frère ne nous a jamais donné une parole de sagesse. C'est un frère qu'on connaît bien. On était ensemble à l'église. Automatiquement, automatiquement, quand nous l'avons à saluer. Salut, Shalom. Il a dit, ah, ça fait longtemps. On a dit, ça fait longtemps. Il a dit que nous connaissons, que nous voyageons dans les pays. On a quitté, mais Dieu avec moi encore. Que ça montre que le Seigneur sait comment il fait avec chacun. Si on restait là-bas, peut-être qu'on n'allait jamais servir Dieu aujourd'hui dans le mouvement dans lequel nous sommes. Nous allons courager. Et en même temps, il est entré dans des paroles de sagesse. Je vous ai dit que celui qui a la sagesse peut donner des paroles de sagesse. Mais quelqu'un peut donner des paroles de sagesse sans lui-même avoir la sagesse. C'est pourquoi demander l'esprit de sagesse que de demander la parole de sagesse. Parce que la parole de sagesse, c'est pour les autres.
Mais l'esprit de sagesse, d'abord pour toi. Dès que tu auras l'esprit de sagesse, tu peux donner des paroles de sagesse pour les autres. Et le frère ne pouvait pas donner des paroles de sagesse. Il ne pouvait pas nous dire. Vous êtes jeune maintenant, vous servez le Seigneur. Demeurez dans votre zèle. Demeurez dans le zèle. Le zèle, le corps votre zèle vous double davantage. Mais que la sagesse vous inonde. Il a commencé par dire. Dans votre ministère, suivez des personnes âgées. Il parle des personnes qui ont la maturité. Ils sont remplis de sagesse. Qu'on suive. Oh, c'est des choses qu'ils ont fait déjà. Dans la parole, bon, c'est des choses qu'ils ont fait. On travaille à être humble. Pour éviter celui qui est. Pour discerner la voix de l'esprit. Quand Dieu parle par n'importe qui, je veux qu'on ait le discernement spirituel. Et maintenant, la fausse doctrine va arriver et saisir la vraie doctrine. Et là, il a commencé par dire, suivez les personnes de 70 ans. C'est ça, c'est la sagesse qui va. Suivez les hommes, les personnes qui... C'est-à-dire que 70 ans, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand on te dit ça, c'est pas que c'est ça. 60 ans, 70 ans, ça ne veut pas dire forcément que la personne doit être à l'âge de 70 ans forcément. Oui, mais soyez attachés avec les personnes qui sont matures, qui sont spirituellement matures, qui sont spirituellement des maîtres, qui sont des fils dans la foi, dans le spirituel. Ne pensez pas, on dit le faire, dis le faire. Si tu es... Si tu es un homme spirituel et à côté d'un homme charnel, il y aura une inimitié. Le spirituel et le charnel ne peut pas collaborer ensemble. C'est le fait qui est dit, se fait. Donc c'était fort. Et il a commencé à le dire que vraiment d'obéir à Dieu et non aux hommes. De marcher selon l'esprit et d'être des hommes parfaits. De chercher la sagesse dans votre vie. Que les grands hommes qui ont grandi ont atteint les grands niveaux, les personnes qui s'étaient. Il parlait, l'esprit de sagesse, il conseille de parler. Et moi, je savais en moi, ça c'est la prière que j'ai faite. Ça n'a pas de Dieu de guerre. C'est après la prière qu'on est sorti. Et il a commencé à parler. Et moi, je savais. Le pasteur Bolos ne savait pas que c'était une apparition de l'esprit de sagesse. Alléluia, le frère, lui, ne sait rien. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il était avec. Dieu. Dans notre destin, est capable de prendre n'importe qui dans notre chemin pour nous manifester l'esprit de sagesse. Ça nous détruit. L'homme spirituel ne juge pas son apparence. Il ne juge pas son le oui dit, ni son la chair. Il juge son l'esprit. Ça, c'est la réponse à ma prière. Là, j'ai compris que ça, c'est l'esprit de la sagesse qui a pris son corps pour me parler. Quoi qu'il. Mais pas avec moi dans la même communauté. Je l'ai passé par lui. J'ai un message instantané. Et le jour là, j'ai dit voilà, ça le Seigneur a exaucé. C'est là que j'ai parlé. J'ai dit ça au pasteur Boros. Il était aussi étonné et content. J'ai aussi parlé de ça au pasteur Daniel. Il était aussi content. Acclame Jésus. Et puis, le jour là, la même semaine qu'on a fait cette prière, le don d'aller aussi va avoir une expérience. Le Seigneur a plus répondu. Quelle est cette expérience que lui a? Lui a une grâce particulière aussi. Pendant que lui est rentré, il a une grâce. C'est-à-dire, c'est les esprits divins qui apparaissent. Lui apparaît, les hommes lui apparaissent dans les songes. Dans leurs ailes, dans la vision d'au-dessus. Les âmes, et vient lui parler des choses spirituelles. Il vient, un jour, il a eu une apparition d'un esprit qui lui a dit, je veux que vous vivrez une vie spirituelle. Je veux que vous puissiez vivre dans la sainte doctrine une vie spirituelle. Une vie de l'esprit. Je veux que vous soyez des hommes spirituels. Et en même temps, comme lui, il est aussi docteur, et donc, il
C'est moi qui parle la grâce de Dieu. L'entretien, les autres, dans la formation spirituelle, dans ce ministère, et que l'Esprit de Dieu aussi l'aide par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu va prendre mon image. Ça dit ma fille, et comment on appelle sa physionomie, c'est ça? Ou bien ma silhouette. Elle apparaît dans le sommeil. Ah, ce n'était pas moi, c'est les esprits divins. C'est les hommes de Dieu qui étaient Dieu. L'heure était de lancer des mystères cachés en prenant ma forme, mon visage, mais spirituellement. Et l'homme qui était au tableau en train d'expliquer les mystères de la parole de Dieu. Et quand il le fit, il s'est levé, ça l'a édifié, ça l'a fortifié. Et le jour-là, il m'a bataillé ça. Que l'esprit de sagesse est réel. C'est l'esprit qui visite ses enfants et qui les amène à mettre l'ordre dans leur vie. Accompli dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Jésus. Et là, il a été édifié. Chaque fois, lui, c'est comme ça le Seigneur aussi. Donc, chacun a ses expériences spirituelles. Donc, nous vous enseignons ce que nous expérimentons. Ce que nous expérimentons, c'est ce que nous vous enseignons. Et c'est ce qui est conforme à la sainte doctrine. Si tu es dans la sainte doctrine, tu dois vivre les expériences spirituelles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Moi, est-ce que tu n'es pas. Si tu es né de nouveau et tu es le fruit de l'esprit, tu dois vivre les expériences spirituelles et glorieuses à Jésus-Christ. Donc voilà quelques exemples. Il y en a plein même. Plein même. Mais en attendant, je m'arrête sur ces choses. Et pourquoi vous poussez pour l'importance de la vie de l'esprit? Gloire à Jésus. Acclame Jésus-Christ.